Le retour des Loïgor par Colin Wilson. Je m'appelle Paul Dunbar Long et j'aurai 72 ans dans 3 semaines. Je suis en excellente santé, mais comme on ne sait jamais combien de temps il vous reste à vivre, je vais coucher cette histoire sur le papier et peut-être même la publier, si l'envie m'en prend. Quand j'étais jeune, j'étais persuadé que Bacon était l'auteur des pièces de Shakespeare. Mais j'ai toujours pris garde de ne pas laisser imprimer mes opinions sur ce sujet car je redoutais les réactions de mes collègues universitaires. L'âge a pourtant un avantage. Il vous enseigne que l'opinion des autres n'a pas, au fond, une très grande importance. La mort a tellement plus de réalité. Si je publie ceci, ce ne sera pas animé par le désir de persuader quelqu'un de la vérité de ce que j'avance, mais simplement parce que je ne me soucierai plus d'être cru. Ou non. Je suis né en Angleterre, mais je vis en Amérique depuis l'âge de 12 ans. J'ai résidé pendant près de 40 ans à Charlottesville, où j'étais professeur de littérature anglaise à l'université de Virginie. Ma vie, de Chatterton, est encore l'ouvrage de référence le plus coté dans ce domaine. Depuis une quinzaine d'années, je dirige une collection d'études sur Poe. Il y a 2 ans à Moscou, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de l'écrivain Irakli Andronikov, surtout célèbre pour ses histoires de la recherche littéraire. Un genre dont on peut dire qu'il est le créateur. Andronikov me demanda si j'avais jamais rencontré W. Romain Newbold, dont le nom est associé à celui du manuscrit de Voynich. Je n'avais jamais vu le professeur Newbold, mort en 1927, et je n'avais encore jamais entendu parler de manuscrit. Andronikov me raconta l'histoire dans ses grandes lignes, et je la trouvais passionnante. De retour aux États-Unis, je me hâtais de lire La clé de Roger Bacon, Philadelphie 1928, et 2 articles que le professeur Manley avait consacrés à cette question. L'histoire du manuscrit de Voynich est, en bref, la suivante. Découvert dans un vieux coffre dans un château italien par un marchand de livres rares, Wilfred M. Voynich, il a été apporté aux États-Unis en 1912. En même temps, Voynich a retrouvé une lettre assurant que ce manuscrit avait été la propriété de 2 célèbres savants du XVIIe siècle, et qu'il avait été écrit par Roger Bacon, moine franciscain mort aux environs de 1294. Ce manuscrit comporte 116 pages et paraît chiffré. Il est évident qu'il s'agit d'un document scientifique ou magique, car il comporte des dessins de racines ou de plantes. D'autre part, il contient aussi des croquis qui rappellent de façon surprenante les illustrations de cellules ou d'organismes minuscules que l'on trouve dans les ouvrages de biologie moderne. On peut y voir également des diagrammes astronomiques. 9 années durant, des professeurs, des historiens et des spécialistes de cryptographie s'employèrent à découvrir ce code. En 1921, Newbold annonça à la Société philosophique américaine de Philadelphie qu'il était parvenu à déchiffrer quelques passages. L'intérêt suscité fut immense, on tint cela pour un tour de force de l'érudition américaine. L'émotion s'accrut encore lorsque Newbold révéla quel était le contenu du manuscrit. Il apparut en effet que Bacon avait dû avoir une avance de plusieurs siècles sur son temps. Il avait, semblait-il, inventé le microscope 400 ans avant Leeuwenhoek et fait preuve d'une pénétration scientifique qui surpassait même celle de son homonyme du XVIIe siècle, Francis Bacon. Newbold mourut avant d'avoir achevé ses travaux, mais ses découvertes furent publiées par son ami Roland Kent. C'est à ce point que le professeur Manley reprit l'étude du manuscrit et décida que l'enthousiasme qui s'était emparé de Newbold l'avait induit en erreur. Un examen au microscope révélait que la nature étrange des caractères n'était pas entièrement due à un chiffrage. L'encre s'était écaillée quand le vélin avait séché, si bien que l'écriture sténographique n'était en réalité que le résultat de l'usure due au siècle. Quand Manley annonça sa propre découverte en 1931, l'intérêt pour le manuscrit le plus mystérieux du monde s'estompa. La réputation de Bacon s'évanouit et toute l'histoire fut rapidement oubliée. À mon retour de Russie, je me rendis à l'université de Pennsylvanie et j'y examinai le manuscrit. J'éprouvai une sensation curieuse. Je ne m'étais pas préparé à le considérer comme un objet possédant une aura romantique. Quand j'étais jeune, j'ai souvent senti un frisson me parcourir des pieds à la tête lorsque je tenais une lettre manuscrite de Poe, et j'ai passé bien des heures assis dans ma chambre à l'université de Virginie pour tenter de communiquer avec son esprit. En vieillissant, je suis devenu plus réaliste, façon de reconnaître que les génies sont en fond bien semblables aux autres hommes,
et j'ai cessé d'imaginer que les objets inanimés tentaient d'une manière ou d'une autre de nous raconter une histoire. Pourtant, dès que je pris en main le manuscrit Voynich, j'éprouvais une sensation déplaisante. Je ne peux pas la décrire plus précisément. Il ne s'agissait pas d'un sentiment de malfaisance, d'horreur, de crainte, simplement quelque chose de déplaisant. Ce que je ressentais enfant lorsque je passais devant la maison d'une femme dont on disait qu'elle avait mangé sa sœur. Cela évoquait pour moi l'idée d'un meurtre. Cette sensation persista tout au long des 2 heures où j'examinais le manuscrit, telle une odeur désagréable. La bibliothécaire ne partageait visiblement pas mes sentiments à cet égard. Quand je lui rendis le manuscrit, je finis par dire en plaisantant que je n'aimais pas ce machin-là. Elle se contenta de me jeter un regard surpris. Je voyais bien qu'elle n'avait aucune idée de ce que je voulais dire. 15 jours plus tard, 2 photocopies que j'avais commandées arrivaient à Charlottesville. J'en envoyai une à Andronikov, comme je lui avais promis, et je fis relier l'autre pour la bibliothèque de l'université. L'ayant examiné à la loupe, je lus le livre de Newbold et les études de Manley. Je ne sentis pas renaître en moi la même impression déplaisante. Mais quand, des mois plus tard, j'emmenai mon neveu jeter un coup d'œil sur le manuscrit, j'éprouvai à nouveau la même sensation. Et mon neveu ne ressentit rien. Alors que nous étions dans la bibliothèque, une personne de ma connaissance me présenta Avril Merriman, jeune photographe auquel on fait souvent appel pour illustrer les livres d'art coûteux du genre de ceux que publient les éditions Thames et Hudson. Merriman me dit qu'il avait récemment photographié en couleur une page du manuscrit Voynich. Je lui demandai si je pouvais la voir. Plus tard dans l'après-midi, j'allai le trouver dans sa chambre d'hôtel et il me montra la photographie. Quelles étaient mes raisons ? Je crois bien que je cédais à une sorte de désir morbide qui me poussait à chercher si cette sensation déplaisante était encore perceptible en présence d'un cliché. Je découvris, en revanche, quelque chose de plus intéressant. Il se trouvait que je connaissais bien la page que Merriman avait photographiée. Je me rendis compte en l'examinant avec soin qu'elle différait de manière subtile de l'original. Je la fixai longuement avant de m'en expliquer la raison. Le coloris de la photographie, développé selon un procédé mis au point par Merriman, était légèrement plus riche que celui du manuscrit original. Et quand je regardais indirectement certains des symboles en concentrant mon regard sur la ligne qui les précédait immédiatement, ils m'apparaissaient en quelque sorte comme complétés, comme si la décoloration laissée par les traces d'encre avait un peu repris de son intensité. Je m'efforçais de ne pas montrer mon émotion. Pour une raison ou pour une autre, j'avais profondément l'impression d'être devenu le détenteur d'un secret. Un peu comme si Merriman m'avait donné l'indice qui me permettait de trouver un trésor caché. Une sorte de sensation comparable à celle que devait éprouver M. Hyde s'empara de moi. Le sentiment d'être soudain habité par la ruse et par une sorte de désir malsain. Je manquis l'air indifférent de ce qu'il en coûterait pour photographier le manuscrit complet de cette manière. Il me répondit que cela se monterait à plusieurs centaines de dollars. C'est alors que l'idée me vint. Je lui demandai si, pour une somme beaucoup plus importante, disons un millier de dollars, il accepterait de me faire d'importants agrandissements de ses pages, 4x4 par exemple. Il me dit qu'il le ferait et je lui signai un chèque sur le champ. J'étais tenté de le prier de m'envoyer les photos l'une après l'autre au fur et à mesure qu'il les prendrait, mais je craignis d'éveiller sa curiosité. J'expliquai à mon neveu Julien que la bibliothèque de l'université de Virginie m'avait demandé de faire ses photos. Mensonge sans fondement dont je m'étonnais moi-même. Pourquoi mentir ? Le manuscrit avait-il une influence suspecte sous laquelle j'étais tombé ? Un mois plus tard, je reçus un paquet recommandé. Je fermai à clé la porte de mon bureau et m'installai dans un fauteuil près de la fenêtre, tout en déchiffrant l'emballage. Je pris au hasard une photo du milieu de la pile et la tournai vers la lumière. Je faillis crier de joie devant ce que je découvris. De nombreux symboles paraissaient complétés, comme si leur moitié brisée était désormais réunie sur le parchemin par une zone légèrement plus sombre. J'examinais feuille après feuille. Aucun doute n'était plus possible. La photographie en couleur parvenait à révéler des signes qui demeuraient autrement invisibles même au microscope. Ce qui suivit ne fut plus qu'un travail de routine, même si cela me prit plusieurs mois. Je collai les photographies une par une sur une grande table à dessiner. Puis j'en fis le traçage. Je transférais ces tracés avec le plus grand soin sur un épais papier à dessin. Progressant alors avec une lenteur délibérée, je dessinais la partie invisible des symboles afin de les compléter. Quand tout fut terminé, je reliais l'ensemble en un fort volume et j'en commençais l'étude.
J'avais reconstitué plus de la moitié des symboles qui avaient bien entendu 4 fois leur taille normale, au prix d'un labeur digne d'un véritable détective. Je pus achever presque tous les autres. C'est alors seulement au bout de 6 mois que je me mis à considérer la partie la plus importante de la tâche que je m'étais assignée. La question du déchiffrage. Pour commencer, j'ignorais totalement où j'allais. Les symboles étaient complets, mais que représentaient-ils? J'en montrais à quelques-uns à l'un de mes collègues qui avait écrit un livre sur l'art de déchiffrer les langues mortes. Il me dit qu'il avait une vague ressemblance avec des hiéroglyphes tardifs, datant de la période où toute ressemblance avec des dessins avait disparu. Je perdis 1 mois à suivre cette fausse piste. La chance, pourtant, était avec moi. Mon neveu était sur le point de retourner en Angleterre et il me demanda de lui confier les photos de quelques-unes des pages du manuscrit. J'éprouvais une profonde répugnance à le faire, mais je pouvais difficilement le lui refuser. Je gardais encore un secret absolu au sujet de mon travail, ce que je justifiais mentalement en me disant que je tenais simplement à ce que personne ne me volât mes idées. Je décidai finalement que la meilleure façon, sans doute, de ne pas faire naître chez Julien une certaine curiosité au sujet de mes travaux, serait de faire le moins de mystère possible. Aussi, 2 jours avant qu'il n'embarque, je lui offris une photographie d'une page du manuscrit à laquelle je joignis ma reconstitution d'une seconde page. Je le fis sans insister, comme si la question n'avait qu'une faible importance à mes yeux. 10 jours plus tard, je reçus une lettre de Julien qui me fit me féliciter de ma décision. Sur le bateau, il s'était lié d'amitié avec un jeune homme, membre d'une association culturelle arabe, qui s'en allait rejoindre son poste à Londres. Un soir, par hasard, il lui avait montré les photographies. La page du manuscrit Voynich n'avait éveillé aucun écho chez cet arabe, mais quand il avait vu ma reconstitution, il avait immédiatement dit que ceci doit être une des formes de langue arabe. Pas de l'arabe moderne, car il était incapable de le lire, mais il n'était pas douteux pour lui que ce manuscrit provint du Moyen-Orient. Je me précipitai à la bibliothèque de l'université et j'y trouvai un texte en arabe. Un simple coup d'œil me révéla que le jeune garçon avait raison. Le mystère du manuscrit Voynich était résolu. Il semblait bien avoir été composé en arabe médiéval. Il me fallut 2 semaines pour apprendre à lire l'arabe, sans le comprendre bien entendu. Je me préparais à entreprendre l'étude de cette langue. Je calculais qu'en travaillant 6 heures par jour, il me faudrait 4 mois pour la parler couramment. Ce gros travail me fut cependant épargné. Quand j'eus une assez grande connaissance du manuscrit pour pouvoir transcrire les mots de quelques phrases avec nos lettres, je m'aperçus qu'il n'avait pas été écrit en arabe, mais en un mélange de latin et de grec. La première pensée qui me vint à l'esprit fut que quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour cacher ses pensées aux regards indiscrets. Puis je me rendis compte que c'était faire là une supposition gratuite. Au Moyen-Âge, les Arabes comptaient assurément parmi les médecins les plus habiles d'Europe. Si un médecin arabe avait écrit un texte, quoi de plus naturel pour lui que de le faire en latin et en grec, tout en utilisant l'écriture arabe? J'étais alors dans un tel état de surexcitation que c'était à peine si je pouvais manger ou dormir. Ma gouvernante ne cessait de me dire que j'avais besoin de vacances. Je décidai de suivre son conseil et de partir. Je retournerai par bateau à Bristol pour rendre visite à ma famille et j'emporterai le manuscrit pour pouvoir travailler toute la journée sans être dérangé. 2 jours avant que le bateau ne lève l'ancre, je découvris comment s'intitulait le manuscrit. La page de titre manquait, mais il y avait à la page 14 une référence qui s'appliquait clairement à l'ouvrage lui-même. Il s'agissait du Necronomicon. Le lendemain, j'étais assis dans le salon de l'hôtel Algonquin à New York, et je prenais un martini avant le déjeuner quand je reconnus une voix familière. C'était celle d'un vieil ami, Foster Damon, de l'université Brown à Providence. Nous nous étions rencontrés bien des années auparavant, avant qu'il recueillait des chansons populaires en Virginie. L'admiration que j'avais ressentie en lisant ses poèmes et ses livres sur Blake nous avait remis très souvent en contact depuis. J'étais enchanté de le retrouver à New York. Il était également descendu à Algonquin. Bien entendu, nous déjeunâmes ensemble. Au milieu du repas, il me demanda quel était le sujet de mes travaux. « As-tu jamais entendu parler du Necronomicon ?»« Bien sûr. »« C'est vrai ? Où cela ?»« Chez Lovecraft. »« Ce n'est pas de cela dont tu voulais parler ?» Au nom du ciel, qui est Lovecraft? Tu ne le connais pas? C'est un écrivain de chez nous, de Providence. Il est mort il y a 30 ans. Tu n'as jamais rencontré son nom? Un souvenir surgit alors du fond de ma mémoire.
Quand j'étais allé voir la maison de M. Whitman à Providence pour mon livre « L'ombre de Poe », Foster avait mentionné le nom de Lovecraft, en l'accompagnant d'un commentaire du genre de « Tu devrais lire Lovecraft, c'est le meilleur auteur américain d'histoire extraordinaire depuis Poe ». Je me souvenais alors lui avoir répondu que c'était Bierce qui, à mon avis, méritait ce titre. Et puis j'avais oublié. « Veux-tu dire que le terme de Necronomicon se trouve réellement dans un texte de Lovecraft ?»« J'en suis presque certain. » »« Et où crois-tu que Lovecraft ait pu le trouver ?»« J'ai toujours pensé qu'il l'avait inventé. » J'avais perdu tout intérêt pour ce que nous mangions. Nul n'aurait pu prévoir que les choses allaient prendre cette tournure. Autant qu'il m'était possible de le savoir, j'étais en effet la première personne à avoir lu le manuscrit Voynich. Mais était-ce seulement le cas ? Que dire de ces deux érudits du XVIIe siècle ? L'un d'eux n'avait-il pas déchiffré et n'était-il pas mentionné dans le titre de l'un de ses écrits ? La première chose à faire était manifestement d'aller vérifier chez Lovecraft et de découvrir si la mémoire de Foster avait bien été fidèle. Je me surpris à souhaiter qu'il se soit trompé. À la fin du repas, nous prîmes un taxi d'où nous rendîmes dans une librairie de Greenwich Village où j'ai pu découvrir une édition de poche des récits de Lovecraft. Avant de sortir de la boutique, Foster feuilleta le livre puis posa le doigt sur l'une des pages. « Là, voilà. Necronomicon par l'arabe démon Abdul al-Azred. » C'était bien là. Impossible d'en douter. Dans le taxi que nous prîmes pour rentrer, j'essayais de ne pas trop montrer à quel point j'étais bouleversé. Mais dès que nous fûmes arrivés, je m'excusais et regagnai ma chambre. J'essayais de lire Lovecraft, mais je ne pus me concentrer. Le lendemain, avant d'embarquer, j'allai chez Brent & Howes, acheter les œuvres de Lovecraft. J'y trouvai deux titres brochés et plusieurs autres en édition de poche. Les livres brochés s'intitulaient « La chambre close » et « Épouvante et surnaturelle en littérature ». Dans le premier, je tombai sur une longue description du Necronomicon accompagnée de plusieurs citations. Il y avait aussi cette phrase dans le texte de présentation. Bien que le livre lui-même, la plupart de ses traducteurs et l'auteur sont tous imaginaires. Lovecraft a usé ici de ses techniques d'insertion de faits historiques réels au sein de larges passages qui ne sont que pure littérature et imagination. Pure littérature d'imagination. Il s'agissait peut-être d'une simple coïncidence de termes. Necronomicon, le livre des non-morts, un titre qu'il n'était pas difficile d'inventer. Plus j'y songeais, plus cette explication me paraissait vraisemblable. Aussi, avant même de monter à bord dans l'après-midi, je me sentais déjà l'esprit beaucoup plus libre. Je pris un bon déjeuner et m'endormis ensuite en lisant. Je ne sais combien de jours passèrent avant que je ne m'aperçoive que cette nouvelle découverte littéraire exerçait une fascination toujours croissante sur moi. J'avais tout d'abord eu l'impression que Lovecraft construisait fort habilement des histoires extraordinaires. C'est peut-être le travail que j'accomplissais sur la traduction du manuscrit Voynich qui transforma mon point de vue à son égard. Il est possible aussi que je me sois rendu compte que Lovecraft avait été uniquement obsédé par ce monde étrange, qu'il avait lui-même créé. Uniquement, même si on ne le comparait à des écrivains comme Gogol ou Poe, il me faisait songer à ces anthropologues qui manquent d'habileté littéraire, mais qui vous laissent tout de même une forte impression tant l'authenticité de leur matériel s'impose à vous. Comme je pouvais vouer plusieurs heures au travail chaque jour, j'ai rapidement achevé ma traduction du manuscrit. Je m'étais rendu compte, longtemps avant la fin, que je n'étais en présence que d'un fragment et que, outre le déchiffrage, il recelait d'autres mystères, un code, à l'intérieur du code, si j'ose dire. Ce qui me frappa le plus à tel point que je résistais très difficilement à l'envie de me précipiter dans le couloir et d'en parler à la première personne venue. C'était l'incroyable somme de connaissances scientifiques que révélait ce manuscrit. Newbold ne s'était guère trompé à ce sujet. L'auteur en savait beaucoup plus long que n'importe quel moine du XIIIe siècle ou que n'importe quel érudit mahométan, d'ailleurs. Un long passage obscur consacré à un dieu ou à un démon qui était une sorte de tourbillon d'étoiles y était suivi par un autre passage, où l'élément constitutif essentiel de la matière était décrit comme une énergie en unité définie. On aurait bien dit qu'il y avait là une anticipation très claire de la théorie des quantas. Ailleurs, la graine humaine était décrite comme étant faite d'unités de puissance, chacune de ces unités devant doter l'homme de caractère qu'il conserverait sa vie durant. Ceci ressemblait beaucoup à une référence au gène. Le dessin d'un spermatozoïde humain se trouvait placé au milieu d'un texte qui se rapportait au Sefer Yezira,
le livre de la création de la Kabbale. Plusieurs références dédaigneuses à l'Ars Magna de Raymond Lull venaient renforcer la croyance selon laquelle l'auteur en était bien Roger Bacon, un contemporain du mathématicien mystique. Bien que, en un point, il ait été fait allusion au scripteur sous le nom de Martinus Hortulanus, qu'on pourrait traduire par Martin le jardinier. Mais qu'est donc en dernière analyse le manuscrit Voynich ? C'est le fragment d'un ouvrage qui a la prétention de rendre compte de l'univers scientifiquement et totalement. Son origine, son histoire, sa géographie, si j'ose employer ce terme, sa structure mathématique et ce qu'il recèle dans ses profondeurs. Les pages, en ma possession, contenaient un résumé préliminaire. En certains points, il témoignait de connaissances profondes. En d'autres, c'était un mélange médiéval traditionnel de magie, de théologie et de spéculation précopernicienne. J'avais l'impression que cet ouvrage aurait pu avoir eu plusieurs auteurs, ou que la partie que je possédais était le résumé de quelques autres manuscrits imparfaitement compris de Martin le jardinier. Il y avait les habituelles allusions à l'Hermès Trismégiste et de la tablette d'émeraude, au Chrysopée, au livre de Cléopâtre sur l'art de transmuter les métaux, au serpent gnostique Ouroboros, et à une planète ou une étoile mystérieuse du nom de Tormentius, dont il était dit qu'elle abritait des dieux qui inspiraient l'effroi. Il était aussi question d'une langue Kian, qui d'après le contexte n'avait apparemment aucun rapport avec celle que l'on parlait dans l'île égéenne de Kio, patrie d'Homère. Ceci me permit d'ailleurs de faire un pas de plus sur la voie de mes découvertes. Épouvante et surnaturelle en littérature, de Lovecraft comprend un court passage consacré à Arthur Machen, et j'y tombais sur une référence à la langue Kian, qui aurait été utilisée en liaison avec un culte de sorcellerie. Il était aussi fait mention de Dol et de Voulas ou de lettres Aklos. Ces dernières retinrent mon attention. Il y avait une allusion dans le manuscrit Voynich à des inscriptions Aklos. J'avais tout d'abord supposé que Aklo pouvait être une corruption du mot kabbalistique Agla, employé en matière d'exorcisme. Je révisais mon opinion. Au-delà d'un certain point, le recours aux coïncidences est la marque d'une faiblesse de l'esprit. L'hypothèse qui se présentait alors à moi était la suivante. Le manuscrit Voynich était un fragment ou un résumé d'un ouvrage beaucoup plus important intitulé Necronomicon et peut-être d'origine kabbalistique. Des copies complètes de ce livre existaient ou avaient existé et une tradition orale s'était peut-être perpétuée à son propos. Grâce à des sociétés secrètes du type de l'église du Carmel de Nandorf, si tristement célèbre, ou de la fraternité de Tlön, telle qu'elle a été décrite par Borgne Mönchen, qui avait passé quelque temps à Paris vers 1880, était presque certainement rentré en relation avec le disciple de Nandorf, l'abbé Boulan, dont on sait qu'il pratiquait la magie noire. Quant à Lovecraft, il était possible qu'il eût trouvé cet ouvrage ou connu la tradition orale s'y rapportant, soit de lui-même, soit même par l'intermédiaire de Machen. Il était vraisemblable dans ce cas qu'il exista encore des exemplaires de cet ouvrage, cachés dans quelques greniers ou dans un coffre d'un second château italien. Quel triomphe pour moi si je parvenais à retrouver l'un d'eux et à le faire publier en même temps que ma traduction du manuscrit Voynich. Ou même si je réussissais tout simplement à prouver de manière définitive qu'il avait existé. Tel fut le rêve qui me hanta tout le long des 5 jours que je passais sur l'Atlantique. Je lisais et relisais ma traduction du manuscrit dans l'espoir de découvrir quelque indice qui m'amènerait à retrouver l'œuvre complète. Mais plus je lisais et moins le texte m'éclairait. Lors de ma première lecture, j'avais senti l'existence d'un plan général de quelque sombre mythologie, jamais énoncé clairement, mais que l'on pouvait déduire à partir d'un certain nombre d'indications. Quand je le relus le tout, pourtant, je me demandais si tout cela n'avait pas été un effet de mon imagination. Le livre paraissait se désintégrer en une suite de fragments indépendants. À Londres, je perdis une semaine au British Museum à chercher des références au Necronomicon dans divers ouvrages consacrés à la magie, depuis l'Azote de Basil Valentine jusqu'aux écrits d'Aleister Crowley. La seule suggestion intéressante se trouvait dans une note de bas de page dans « Remarques sur l'alchimie » de E.A. Hitchcock. Il y était question des secrets à présent inaccessibles des tablettes Aklos. Mais le texte de l'ouvrage ne comportait aucune autre référence à ces tablettes. L'adjectif « inaccessible » signifiait-il que l'on savait que ces tablettes avaient-elles été détruites ? Si oui, comment Hitchcock l'avait-il appris ? La sombre atmosphère du mois d'octobre à Londres et la fatigue due à un mal de gorge persistant m'auraient presque poussé à prendre l'avion pour New York, quand la chance tourna en ma faveur.
Dans une librairie de Maidstone, je rencontrai le frère Anthony Carter, un carmélite qui éditait une petite revue littéraire. Il avait rencontré Machen en 1944, 3 ans avant la mort de l'écrivain, et avait consacré par la suite un numéro de sa revue à la vie et à l'œuvre de cet auteur. Je raccompagnais le frère Carter au prieuré, près de Sevenoaks, tout en conduisant sa petite Austin à un modeste 50 à l'heure. Il me parla longuement de Machen. Je finis par lui demander si, à sa connaissance, Machen n'avait jamais été en relation avec des sociétés secrètes ou s'il s'était intéressé à la magie noire. Selon lui, cela l'étonnerait beaucoup. Le désespoir m'envahit, encore une fausse piste. Et puis, le frère reprit. Je le soupçonne d'avoir exploité quelques-unes des traditions curieuses qui se maintenaient encore autour de Mélincourt, le village où il était né. À l'origine, ce village était l'Isca Silorum des Romains. Des traditions? Quelle sorte de traditions? Oh, vous savez bien ce qu'il écrit dans la colline des rêves, des cultes païens et ce genre de choses. Je croyais que tout cela n'était qu'une pure imagination. Oh non, il a fait allusion une fois à un livre qu'il avait vu et dans lequel se trouvaient révélées toutes sortes de choses horribles qui se seraient produites dans cette région du Pays de Galles. Quelle sorte de livre? Je n'en ai aucune idée. Je n'y ai guère prêté attention. Je crois qu'il l'avait vu à Paris, à moins que ce ne soit à Lyon. Je me souviens pourtant du nom de l'homme qu'il lui avait montré, Stanislav de Guaita. Guaita. Je n'avais pas pu m'empêcher d'enlever la voix et il a failli nous mener dans le fossé. Il me jeta un regard où perçait un doux reproche. C'est ça. Cet homme était en relation avec je ne sais quelle absurde société de magie noire. Machen semblait prendre tout cela au sérieux, mais je suis sûr qu'il se moquait un peu de moi. Guaita était en rapport avec le cercle de magie noire de Boulan et Nandorf. C'était là une pierre de plus à mon édifice. Où se trouve Mélincourt? Dans le Monmouthshire, je crois. Quelque part dans les environs de Southport. Auriez-vous l'intention d'y aller? Il n'avait pas dû être difficile de suivre le cours de mes pensées. Je ne vis pas de raison de le nier. Le religieux ne dit plus rien avant d'arrêter sa voiture dans la cour ombragée du prieuré. Il me dévisagea alors brièvement et dit d'une voix douce. « Je ne m'avancerai pas trop, si j'étais vous. » Je ne répondis que par un grognement et nous abandonnâmes le sujet. Quelques heures plus tard, de retour dans ma chambre d'hôtel, je me souvins de cette réflexion et j'en fus frappé. S'il pensait que Machen s'était un peu moqué de lui en lui parlant de ses cultes païens, pourquoi me conseillait-il de ne pas trop m'avancer dans cette histoire? Croyait-il à l'existence de tels cultes et préférait-il le garder pour lui? En tant que catholique, bien entendu, il était certainement persuadé de l'existence surnaturelle du mal. J'avais consulté le Bradshaw de l'hôtel avant de monter me coucher. Il y avait un train pour Newport qui partait de la gare de Paddington à 9h45, avec un changement à Caerleon à 2h30. À 10h05, j'étais assis dans le wagon-restaurant. Je buvais du café et je regardais les mornes immeubles couleur de suie de la banlieue d'Isling céder la place au vert champ du Middlesex. Je me sentais gagné par un sentiment d'excitation d'une intensité et d'une pureté tout à fait nouvelles pour moi. Je suis incapable d'en expliquer la raison. Je ne peux dire qu'une chose, c'est qu'à ce point de mes recherches, j'avais clairement l'intuition que les choses importantes allaient véritablement commencer. Jusqu'alors, je m'étais senti plutôt déprimé, en dépit du fait que j'avais surmonté les difficultés du manuscrit Voynich. Peut-être était-ce dû au fait que je trouvais assez déplaisant le contenu du manuscrit. Je suis aussi romantique que n'importe qui, et je crois que la plupart des gens sont au fond des romantiques, ce qui n'a rien de malsain. Mais je suppose que toutes ces allusions à la magie noire me paraissaient n'être en définitive que stupidité dégradante. Dégradante pour l'image de l'homme et la faculté qu'il a d'évoluer. Mais en ce gris matin d'octobre, ce que j'éprouvais était tout autre. Cette impression d'avoir les cheveux dressés sur la tête que ressentait Watson quand Holmes le secouait pour le réveiller, en lui disant « Il se trame quelque chose, Watson ». Je n'avais pas encore la moindre idée de ce qui pouvait se tramer. J'étais pourtant gagné par une étrange intuition de la gravité de ce qui m'attendait. Las de regarder le paysage, j'ouvris un sac où j'avais placé des livres et en sortis un guide du Pays de Galles et 2 volumes d'Arthur Machen, quelques nouvelles choisies et un ouvrage autobiographique, chose lointaine. Ce dernier me persuada que j'allais trouver un pays enchanteur dans la région du Pays de Galles où avait vécu Machen. Il écrivait « Je considérerais toujours que la grande chance de ma vie aurait été de naître au cœur du Gwent ».
Sa description du tumulus mystique, de l'ondoiement gigantesque et arrondi de la montagne de pierre, les bois profonds et la rivière aux cours sinueux, tout cela évoquait un paysage de rêve. À dire vrai, Melincourt est un lieu où le roi Arthur était venu tenir sa cour légendaire, et Tennyson y a situé ses idylles du roi. Le guide du Pays de Galles que j'avais trouvé chez un bouquiniste de Charing Cross Road décrivait Southport comme une petite ville marché, située dans un cadre plaisant, vallonné, verdoyant, fait de bois et de prairies. J'avais une demi-heure à perdre entre les deux trains, et j'ai résolu d'aller un peu visiter la ville. 10 minutes y suffirent. Quels qu'aient pu être ses charmes en 1900, c'est à présent le type même de la cité industrielle, dont l'horizon se hérissait de grues, et dont l'air résonnait des coups de sifflet de ses trains et des sirènes de ses bateaux. Je pris un double whisky dans un hôtel proche de la gare afin de me donner du courage pour le cas où Kerleon me réserverait une semblable déception. Cela ne suffit guère à atténuer le choc que me causa la découverte de la ville moderne dans laquelle je me trouvais une heure plus tard, après un court voyage dans les faubourgs de Southport. Kerleon est dominé par une monstruosité architecturale en briques rouges que je pris, à juste titre, pour un asile d'aliénés. Et Lusk, au murmure puissant de Chesterton, m'apparut comme un cours d'eau boueux qu'enlaidissait encore la pluie qui tombait à présent d'un ciel gris ardoise. J'entrai dans mon hôtel, endroit sans prétention ni chauffage central, à 3h30. Jetai un coup d'œil sur les fleurs du papier peint de ma chambre, enfin un souvenir de 1900, puis décidai d'aller faire un tour sous la pluie. Au bout d'une centaine de mètres, dans la rue principale, je passai devant un garage où je découvris un écriteau auto-alloué, peint à la main. Un petit homme à lunettes était penché sur le moteur d'une voiture. Je lui demandai s'il était possible d'avoir un chauffeur. Après une brève discussion, il apparut au petit homme à lunettes qu'il s'agissait là d'une chance qu'il ne fallait surtout pas laisser passer. 5 minutes plus tard, il attendait devant le garage portant la veste de cuir des automobilistes de 1920 et tenant le volant d'une voiture de la même époque. Les phares vibraient même de haut en bas pour accompagner le bruit du moteur. Je me blottis dans le fond de l'auto et y regardais la pluie en sentant nettement se préciser les premiers symptômes d'un rhume. Au bout de 10 minutes, la voiture se réchauffa et le paysage s'améliora. En dépit des efforts accomplis pour la moderniser, la vallée de Lusk demeurait extrêmement belle. Le vert des champs était d'une intensité frappante, même comparé à celui de la campagne de Virginie. Les bois avaient bien le mystère et l'ombrage dont avait parlé Machen, et le décor était presque trop pittoresque pour être réel, évoquant l'un de ces grandioses paysages romantiques d'Asher Durand. Et puis, au nord-est et au nord-ouest, se dressaient des montagnes que l'on devinait à peine à travers les nuages couleur de fumée. C'était là le paysage désolé du peuple blanc et du cachet noir, l'un et l'autre encore très présents à ma mémoire. Monsieur Evans, mon chauffeur, avait le tact de ne pas parler et de me laisser bien me pénétrer du caractère de ce paysage. Je lui demandai s'il avait jamais rencontré Machen. Il me fallut épeler son nom avant que Monsieur Evans ne le reconnaisse. Machen me paraissait avoir été totalement oublié dans sa ville natale. Il me demanda si j'étudiais à propos de Machen. Il employa ce mot « étudier » comme s'il avait voulu caractériser une activité à la fois lointaine et rituelle qui n'avait rien de commun avec ce qu'il connaissait. Je reconnus que tel était bien mon but. J'exagérais même un peu en disant que j'avais l'intention d'écrire un livre sur Machen. Ceci éveilla son intérêt. Quelle qu'ait pu être son attitude à l'égard des écrivains disparus, il n'éprouvait que du respect pour ceux qui vivaient encore. Je lui dis que plusieurs des nouvelles de Machen avaient pour cadre les collines désolées qui se dressaient devant nous, et ajoutai sans avoir l'air d'y toucher, « Ce que je voudrais vraiment découvrir, c'est où il a pu prendre les légendes dont il s'est servi dans ses nouvelles. Je suis presque certain qu'il ne les a pas inventées. Voyez-vous quelqu'un par ici qui pourrait les connaître? Le curé, par exemple ?»« Oh non, le curé ne connaît rien aux légendes. » Il affirmait cela sur un tel ton qu'on aurait juré que raconter des légendes était une activité purement païenne. « Pensez-vous que quelqu'un d'autre les connaîtrait ?»« Voyons, il y a bien le colonel. » Si vous savez le prendre du bon côté. C'est un drôle de type, le colonel. Si votre tête ne lui revient pas, vous perdrez votre salive avant lui. Je tentais de lui en tirer davantage à propos du colonel. Était-il amateur d'antiquité, par exemple? Les réponses qu'il me fit en bon celte étaient très vagues. Je changeai de sujet, mis la conversation sur le paysage, et recueillis une foule d'informations jusqu'à notre retour de Melincourt.
Selon la suggestion de M. Evans, nous roulâmes vers le nord jusqu'à Raglan, puis obliquâmes vers l'ouest et revînmes vers les montagnes noires qui se trouvaient sur notre droite et paraissaient plus désolées et plus menaçantes de près que vues du vert plat des pays des environs de Melencord. Je m'arrêtai à Pontypool, y achetai une étude des traces de la civilisation romaine autour de Melencord et un ouvrage d'occasion de Giraldus Cambrensis, historien et géographe gallois du temps de Roger Bacon. Je fus surpris de voir à quel point le tarif qu'appliquait M. Evans était raisonnable, et je lui demandai de me réserver ses services toute une journée dès que le temps s'améliorerait. De retour à l'hôtel, devant un breuvage baptisé grog et fait de rhum, d'eau chaude, de jus de citron et de sucre, je me mis à parcourir les journaux de Londres, puis poser quelques questions prudentes au sujet du colonel. Cette manière d'aborder la question se révélant stérile, les Gallois ne s'ouvrent guère aux étrangers, je cherchais son nom dans l'annuaire. Colonel Lionel Urquhart, l'épature, Melencord. Réconforté par mon grog, je gagnai ensuite une cabine téléphonique glaciale et composai son numéro. Une voix de femme que l'accent gallois rendait presque incompréhensible me répondit que le colonel n'était pas chez lui, puis qu'il y était peut-être et qu'elle allait voir. Au bout d'une longue attente, une voix anglaise, sèche et bourgeoise, aboya dans le récepteur. « Allô, qui est à l'appareil ?» J'entrepris de me présenter, mais avant que j'aie pu achever, il me coupa. « Je regrette. Je ne prends jamais d'interview. » J'expliquai rapidement que j'étais professeur de littérature et non journaliste. « Ah, de littérature. Quel genre de littérature ?»« Pour le moment, je m'intéresse aux légendes locales. Quelqu'un a fait allusion au fait que vous saviez beaucoup de choses à ce sujet. »« Ah, on pense cela. Eh bien, c'est peut-être vrai. » Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ? Je répétai mon nom, mentionnai mon appartenance à l'université de Virginie et les ouvrages que j'avais publiés. Je perçus quelques sons indistincts à l'autre bout du fil, un peu comme s'il avait été en train de manger sa moustache, et éprouvai des difficultés à avaler. Il finit par me dire « Écoutez, si vous veniez ici un peu plus tard dans la soirée, vers 9h, nous pourrions prendre quelque chose et parler un peu. » Je le remerciai. Regagnai le salon de l'hôtel où brûlait un bon feu et me commandai un autre rhum. J'avais l'impression de mériter des félicitations après toutes les réserves qu'avait faites M. Evans au sujet du colonel. Une seule chose me tourmentait encore. Je ne savais absolument pas à qui j'avais affaire et rien du genre de légende qui pouvait l'intéresser. Il ne m'était permis que de supposer une chose, c'était qu'il devait être amateur local d'antiquité. À 8h30, après un dîner abondant mais dépourvu d'imagination, je me mis en route après avoir demandé le chemin de la maison du colonel au réceptionniste, visiblement intrigué. Il pleuvait et ventait encore, mais grâce au grog, mon rhume ne s'aggravait pas. Située en dehors de la ville, la maison du colonel se dressait à mi-pente d'une colline raide. Il y avait une grille d'entrée rouillée et une allée pleine de flaques boueuses. Dès que je tirai la sonnette, 10 chiens se mirent à aboyer, puis l'un d'eux s'approcha de la grille et gronda pour m'intimider. Une galloise un peu ronde ouvrit un battant, donna une tape au Doberman qui grogna et s'aplatit, puis me fit passer devant une meute de chiens qui jappaient et dont plusieurs, notai-je, avaient des cicatrices et les oreilles déchirées, avant de m'introduire dans une bibliothèque faiblement éclairée où régnait une odeur de fumée de charbon. Je ne sais quel genre d'homme je m'étais attendu à trouver. Probablement un homme de haute taille, très britannique d'aspect, le visage bronzé et la moustache raide. Mais celui que je découvris me surprit plutôt. Court et boiteux, un accident de cheval lui avait causé une fracture de la hanche droite, son teint basané suggérait la présence de sang mêlé dans ses veines, tandis que son menton fuyant lui donnait un air un peu reptilien. De prime abord, c'était un personnage foncièrement antipathique. Le regard était vif et intelligent, mais plein de défiance. Il me fit l'effet d'un homme susceptible de faire naître de considérables ressentiments. Il me serra la main et m'invita à m'asseoir. Je m'installai près du feu. Un nuage de fumée envahit aussitôt la pièce. Je m'étranglais et je suffoquais. « Il faudrait ramener. Prenez plutôt ce siège. » Un instant plus tard, un objet tomba du haut de la cheminée, accompagné d'une quantité de suie, et avant que les flammes ne l'aient rendu méconnaissable, je crus reconnaître un squelette de chauve-souris. J'en déduisis à juste titre, comme je devais l'apprendre un peu plus tard, que le colonel recevait peu et avait rarement l'occasion d'ouvrir la bibliothèque.
Et quel livre de moi avez-vous lu ? Pour être tout à fait franc, je ne les connais que par ouï-dire. Je fus soulagé de l'entendre commenter sèchement. Comme la plupart des gens, il est tout de même encourageant de penser qu'il vous intéresse. À ce moment, j'aperçus derrière lui son nom au dos d'un volume. Il me semblait que la jaquette était plutôt haute en couleur, mais le titre, « Les mystères de Mu », se détachait nettement en lettres écarlates. J'enchaînai donc rapidement. « Bien sûr, je ne sais pas grand-chose au sujet de Mu. Je me souviens d'avoir lu un livre de Spence. » « Un parfait charlatan. » J'eus alors l'impression, à la lumière du feu, que ses yeux s'injectaient légèrement de sang. Et aussi que Robert Graves a de curieuses théories au sujet du pays de Galles et des Gallois. Les tribus disparues d'Israël, parlons-en. Je n'ai jamais entendu avancer quelque chose d'aussi puéril et d'aussi tiré par les cheveux. N'importe qui vous dira que ça n'a aucun sens. En outre, j'ai prouvé de manière concluante que les Gallois étaient les survivants du continent perdu de Mu. Je dispose de preuves qui me permettent de l'affirmer. Vous en avez sans doute vu quelques-unes. Pas autant que je l'aurais souhaité. Il s'interrompit alors pour m'offrir un whisky et il me fallut prendre rapidement une décision. Ou bien lui demander de bien vouloir m'accorder une autre entrevue et en m'échapper, ou rester et tenir jusqu'au bout. La pluie qui fouettait les vitres me décida. Je tiendrai. Tout en versant le whisky, il me dit. « Je crois pouvoir deviner ce que vous pensez. Pourquoi Mu plutôt que l'Atlantide ?»« Pourquoi, en effet ?» Je ne me doutais même pas à ce moment-là que Mu était censé s'être trouvé dans le Pacifique. « Exactement. C'est la question que je me suis posée moi-même il y a 20 ans quand j'ai commencé à faire des découvertes. Pourquoi Mu, alors que les vestiges les plus importants se trouvent dans le sud du pays de Galles et à Providence ?»« Providence ? Quelle Providence ?» Providence, dans l'état de Rhode Island. J'ai la preuve que le centre de la religion des survivants de Mu se trouvait là-bas. Quelle sorte de preuve ? Des vestiges, ceci, par exemple. Il me tendit un fragment de pierre verte presque trop lourd pour que je puisse le tenir d'une seule main. Et je n'avais jamais vu de dessin ou description tel que ceux que j'y voyais gravés, excepté une fois dans un temple de la forêt du Brésil. L'inscription était tracée en caractère incurvé qui n'était pas sans rappeler la sténographie de Pitman. Le visage gravé au centre aurait pu tout aussi bien être un masque de diable, un dieu serpent ou un monstre marin. Comme je le fixais, je ressentis la même impression de répugnance, cette sensation déplaisante, que j'avais déjà éprouvée en examinant le manuscrit de Voynich pour la première fois. J'avalai une grande gorgée de whisky. Urquhart mit le doigt sur le monstre marin. Le symbole du peuple de Mu, le Yambé. La couleur de cette pierre est leur couleur favorite. C'est là l'une des manières pour nous de savoir où ils ont vécu. L'eau de cette couleur. Comment cela ? Lorsqu'ils détruisent un endroit où ils ont vécu, ils laissent volontiers derrière eux des étendues d'eau, des petits lacs, si possible. On peut toujours les reconnaître car elles diffèrent légèrement de celles que nous connaissons. On y retrouve cette alliance du vert et de l'eau stagnante et du gris bleu que vous pouvez voir ici. » Il se tourna vers la bibliothèque et y prit sur une planche un livre d'art luxueux, qui portait un titre du genre « Les plaisirs des ruines ». Il l'ouvrit et me montra une photographie. Elle était en couleur. « Regardez ceci. Sidon, au Liban. La même eau verte. Et puis, voyez-là, Anuradhapura, à Ceylan. Les mêmes verts et les mêmes bleus. Les couleurs de la décomposition et de la mort. Ils ont détruit ces deux centres à un moment ou à un autre, et il en existe 6 autres comme cela à ma connaissance. » J'étais à la fois fasciné et impressionné en dépit de moi-même. Peut-être était-ce dû à la pierre. Mais comment ont-ils fait cela ? Vous commettez la même erreur que tout le monde, en songeant à eux comme s'ils avaient été faits comme nous. Ils ne l'étaient pas. En termes humains, ils n'avaient pas de forme et étaient invisibles. Invisible. Comme le vent ou l'électricité. Il vous faut comprendre qu'il s'agissait de force plutôt que d'être. Ils ne disposaient même pas d'identité nettement séparée comme les nôtres. Cela est établi dans les tablettes de Nahaskal de Churchward. Il poursuivit sur ce thème et je ne tenterai pas de retranscrire tout ce qu'il me raconta. Cela me parut n'être en grande partie que pur non-sens. Il y avait pourtant une bizarre logique à la base de la plupart de ses propos.
Il tirait des livres des étagères, puis m'en lisait des passages, et la majeure partie de ses ouvrages était due, selon moi, à toutes sortes de farfelus. Mais il s'emparait ensuite d'un manuel d'anthropologie ou de paléontologie, et m'en livrait quelques extraits qui paraissaient confirmer ce qu'il venait d'avancer. Ce qu'il me raconta en bref, c'est ceci. Le continent de Mu existait dans le Pacifique Sud entre 20 et 12 000 ans avant notre ère. Il était peuplé par deux races, dont l'une ressemblait à l'homme moderne. L'autre groupait ce que Urquhart appelait les invisibles venus des étoiles. Ces derniers étaient absolument étrangers à notre terre et leur chef s'appelait Gatanotoa, le noir. Il prenait parfois une forme, telle celle du monstre de la tablette, qui était une représentation de Gatanotoa. Mais il n'existait que comme tourbillon de puissance à l'état naturel. Ils n'étaient pas bienfaisants au sens où nous l'entendons, car leurs instincts et leurs aspirations étaient totalement différents des nôtres. Une tradition née de la découverte des tablettes du Nahakal veut que ces êtres aient créé l'homme. Mais ce point, souligné Urquhart, était certainement inexact, car tous les témoignages archéologiques prouvaient que l'évolution de l'homme s'était déroulée sur des millions d'années. Les hommes de Mu étaient pourtant certainement leurs esclaves. Ils étaient sans doute traités avec ce que nous considérerions comme une incroyable barbarie. Les Loigor, ou êtres étoiles, savaient amputer les membres sans entraîner la mort, et ils le faisaient au moindre signe de rébellion. Ils pouvaient aussi provoquer la croissance de tentacules cancériformes chez leurs esclaves humains. Or, ils se servaient également de cette faculté comme d'un moyen de punition. L'un des dessins des tablettes du Nahakal représente un homme avec des tentacules sortant des deux orbites. La théorie d'Urquhart au sujet de Mu avait quelque chose d'extrêmement original. Il m'expliquait qu'il y avait une différence essentielle entre les Loigor et les êtres humains. Les Loigor étaient profondément, totalement pessimistes. Urquhart précisait qu'il nous était presque impossible d'imaginer ce que cela signifiait. Les êtres humains vivent de diverses espérances. Nous savons qu'il nous faut mourir, nous ignorons d'où nous venons et où nous allons. Nous savons que nous pouvons être victimes d'accidents et de maladies. Nous savons que nous obtenons rarement ce que nous souhaitons, et qu'une fois que nous l'avons obtenu, nous cessons de l'apprécier. Tout cela, nous le savons, mais nous demeurons pourtant d'incorrigibles optimistes, allant même jusqu'à nous tromper nous-mêmes avec d'absurdes croyances clairement dépourvues de sens au sujet d'une vie après la mort. Mais je me demande pourquoi je vous parle. Je sais pourtant que les professeurs n'ont jamais l'esprit ouvert. Tous ceux à qui j'ai eu affaire m'ont toujours trahi. Est-ce parce que je ne pense pas que vous pourriez être l'exception, que vous pourriez comprendre ce qu'il y a de vrai dans ce que je vous dis? Mais pourquoi voudrais-je que tout cela soit connu, alors qu'il me faut mourir comme tout le monde? Absurde, n'est-ce pas? Il est vrai que nous ne sommes pas des créatures raisonnables. Nous vivons et réagissons en obéissant à un réflexe déraisonnable d'optimisme. Un simple réflexe comme celui qui projette la jambe en avant lorsqu'on frappe le genou. Il est évident que tout cela est complètement stupide. Et pourtant, nous vivons en y répondant. Je m'aperçus que j'étais devenu très attentif à ses paroles, bien que convaincu d'être en présence d'un homme un peu fou. Il était assurément intelligent. Il m'expliqua ensuite que les Loigor, bien qu'infiniment plus puissants que les hommes, se rendaient également compte qu'entretenir un quelconque optimisme serait absurde dans cet univers. Leur esprit était fait d'une unité et non compartimenté. Il n'y avait pas de distinction pour eux entre un esprit conscient, un esprit subconscient et un esprit surconscient. Ils voyaient donc nettement les choses en tout temps, sans que leur esprit ait la possibilité d'éviter de regarder la vérité en face ou de l'oublier. Du point de vue mental, ce qui leur équivaudrait le mieux serait l'un de ces romantiques du 19e, hanté par le suicide, sombrant dans la mélancolie, convaincu que la vie n'était qu'un puits de misère et fondant sur son existence quotidienne, sur cette vue des choses. Urquhart niait qu'il y eût une ressemblance quelconque entre les bouddhistes et les Loigor du point de vue du pessimisme fondamental, non à cause du concept de nirvana qui offre une sorte d'absolu équivalent au dieu des chrétiens, mais parce que nul bouddhiste ne vit réellement dans la contemplation constante de son pessimisme. Il l'accepte intellectuellement, mais il ne le sent pas avec ses nerfs et avec ses os. Les Loigor, eux, vivaient leur pessimisme. Malheureusement, et j'avais de la peine à suivre Urquhart jusque-là, la Terre n'était pas une planète faite pour abriter un tel pessimisme. À un niveau subatomique,
C'était une planète jeune. Tous ces processus d'énergie suivaient encore une pente ascendante, si l'on peut dire. Ils étaient évolutionnistes et tendaient vers la complexité, donc vers une destruction des forces négatives. Un simple exemple pour illustrer ceci nous était offert par la manière dont tant de romantiques étaient morts jeunes. La Terre ne tolérait pas les forces subversives. De là, la légende selon laquelle les Loïgor auraient créé les hommes pour qu'ils leur servent d'esclaves. Car pourquoi des êtres tout-puissants auraient-ils besoin d'esclaves? Tout simplement à cause de l'hostilité active, pour ainsi dire, de la Terre elle-même. Pour contrarier cette hostilité, pour faire aboutir leurs projets les plus simples, ils avaient eu besoin de créatures qui travaillent en se fondant sur l'optimisme. Et c'est ainsi que les hommes étaient apparus. Des êtres délibérément myopes, incapables de regarder en face ce qui, manifestement, était la vérité au sujet de l'univers. Ce qui s'était passé ensuite avait été absurde. Les Loïgor s'étaient lentement affaiblis en vivant sur la Terre. Urquhart disait que les documents n'indiquaient pas les raisons qui les avaient poussés à quitter leur patrie, située sans doute dans la nébuleuse d'Andromède. Ils étaient lentement devenus une force moins active. Leurs esclaves s'étaient alors emparés du pouvoir, devenant les hommes que nous connaissons. Les tablettes de Nahakal, comme d'autres documents qui nous étaient parvenus, étaient dues à ces hommes de Mu et non aux dieux des origines. La Terre avait favorisé l'évolution de ses enfants, ces êtres maladroits et optimistes, tandis qu'elle affaiblissait les Loïgor. Néanmoins, ceux qui avaient autrefois tout pouvoir sont demeurés. Ils se sont retirés sous la terre et dans la mer de façon à concentrer leur puissance dans les pierres et les roches dont ils peuvent insérer le métabolisme. Ceci leur a permis de s'accrocher sur la terre pendant des milliers d'années. De temps à autre, ils accumulent assez d'énergie pour faire à nouveau irruption dans la vie humaine, et c'est alors qu'on assiste à la destruction de cités entières. Une fois, ils ont anéanti tout un continent, celui de Mu lui-même, et plus tard encore l'Atlantide. Ils ont toujours été d'une virulence particulière quand ils ont pu retrouver traces de leurs anciens esclaves. Ils sont à l'origine de bien des mystères archéologiques, de la destruction de grandes villes en Amérique du Sud, au Cambodge, en Birmanie, à Ceylan, en Afrique du Nord et même en Italie. Sans compter, si l'on devait en croire Urquhart, deux grandes cités en Amérique du Nord, Gruden Itza, qui se trouvait maintenant enfouie sous la terre marécageuse des environs de la Nouvelle-Orléans, et Nam Ergast, une cité florissante qui s'élevait jadis à l'endroit où se trouve aujourd'hui le canyon du Colorado. Le Grand Canyon, disait Urquhart, n'avait pas été créé à la suite d'une érosion terrestre, mais d'une explosion souterraine suivie d'une grêle de feu. Il était porté à croire qu'elle avait été produite comme la grande explosion sibérienne par une sorte de bombe atomique. Comme je lui demandais pourquoi on ne relevait aucune trace d'explosion autour du canyon, Urquhart me fournit deux réponses, à savoir que cette explosion s'était produite il y a si longtemps que la plupart des vestiges qu'elle avait laissés avaient été détruits par les forces naturelles, et que, pour tout observateur dénué de préjugés, il était clair que le canyon du Colorado n'était qu'un immense cratère de forme irrégulière. Au bout de 2 heures d'entretien de ce genre, et après plusieurs verres de son excellent whisky, je me trouvais dans un tel état de confusion que j'avais totalement oublié les questions que j'étais venu lui poser. Je lui dis qu'il me fallait aller me coucher et réfléchir à tout cela. Le colonel se proposa de me ramener en voiture. L'une des questions que j'avais voulu poser me revint, au moment où je m'installais à la place du passager dans son antique Rolls-Royce. « Que voulez-vous dire quand vous avancez que les Gallois sont les survivants de Mu ?»« Ce que je vous ai dit, j'en suis certain. J'en ai les preuves. Ils sont les descendants des esclaves des Loïgor. » »« Encore une fois, quelle sorte de preuves ?»« Toutes les sortes. » Il me faudrait 1 heure pour bien vous expliquer. Pourriez-vous me donner une simple indication? Si vous voulez, jetez un coup d'œil sur le journal local demain matin. Vous me direz ce qui vous a frappé. Mais que dois-je y chercher? Il était amusé par mon refus d'attendre. Il aurait pourtant dû savoir que les vieillards ont encore moins de patience que les enfants. Le nombre de crimes. Ne pouvez-vous pas m'en dire davantage? « Bon, si vous voulez. » Nous étions arrêtés devant l'hôtel à présent et il pleuvait toujours avec violence. À 7 heures de la nuit, on ne percevait plus que le bruit de la pluie et celui de l'eau qui roulait dans les gouttières. « Vous verrez que le taux de crime est ici 3 fois plus important que celui du reste de l'Angleterre.
Les chiffres sont si élevés qu'ils sont rarement publiés, que ce soit le meurtre, la cruauté, le viol ou tous les genres de perversion sexuelle. On en trouve plus d'exemples dans cette région que dans toutes les îles britanniques. Mais pourquoi ? Je vous l'ai dit, les Loigor trouvent la force de réapparaître de temps à autre. Et pour bien me faire comprendre qu'il voulait rentrer chez lui, il se pencha et m'ouvrit la portière. Il avait disparu avant que j'aie atteint la porte de l'hôtel. Je demandai au veilleur de nuit si je pouvais lui emprunter un journal local. Il en sortit un de son placard et me dit que je pouvais le garder. Je montai dans ma chambre, qui était froide, me déshabillai et me glissai dans mon lit. On y avait placé une bouillotte. Je parcourus alors le journal. Je n'y vis tout d'abord rien qui vient confirmer les assertions d'Urquhart. Le grand titre était réservé à une grève du chantier naval. Des articles de fond consacrés à une comice agricole où les juges étaient accusés de s'être laissés corrompre, puis à une nageuse de Southport qui avait failli battre un record dans la traversée de la Manche. En troisième page, l'éditorial examinait quelques questions d'observance du dimanche. Tout cela me paraissait bien innocent. Je me mis à lire les petits paragraphes que l'on avait insérés près des encarts publicitaires ou entre les nouvelles sportives. Un corps sans tête retrouvé flottant dans le bassin de retenue de Bryn Mawr, que l'on avait identifié comme celui d'une jeune fille de ferme de Lyon Dalphon. Un garçon de 14 ans envoyé en maison de correction pour avoir blessé un mouton à coups de hache. Un fermier demandant le divorce sous prétexte que sa femme semblait être tombée amoureuse de son beau-fils, un idiot. Un prêtre condamné à 1 an de prison pour s'être livré à des actes contre nature sur des enfants de cœur. Un père qui avait assassiné sa fille et le fiancé de celle-ci par jalousie sexuelle. Un homme qui, dans une maison de retraite, avait incinéré 2 de ses compagnons en versant de la paraffine sur leur lit et en y mettant le feu. Un garçon de 12 ans qui avait donné à ses 2 sœurs des jumelles de 7 ans, des glaces saupoudrées de mort au rat et qui n'avait jamais pu cesser de rire devant le tribunal pour enfants. Un entrefilet annonçant que la police avait inculpé un homme pour les 3 meurtres du sentier des amoureux. Je pris note de tout cela au fur et à mesure que je le lisais. Cela faisait tout de même beaucoup pour une si paisible région rurale comme celle-ci. Comme si l'on tenait compte de la proximité des villes comme Southport et Cardiff, où le taux de criminalité devait être beaucoup plus important. Il faut avouer que ce n'était pas grand-chose si on établissait une comparaison avec la plupart des villes américaines. Charlottesville, elle-même, peut enregistrer un nombre d'infractions qui pourrait être considéré comme une importante vague de criminalité en Angleterre. Avant de m'endormir, j'enfilai une robe de chambre et descendis dans le hall où j'avais vu un exemplaire de l'almanach de Whittaker pour y rechercher des statistiques criminelles concernant l'Angleterre. 166 meurtres seulement pour l'année 1967, 3 meurtres par million d'habitants. Le nombre de meurtres est environ 20 fois plus élevé en Amérique, et pourtant dans un seul numéro de ce petit journal local, je venais d'en relever 9, dont certains, il est vrai, était assez ancien. Les meurtres du sentier des amoureux s'étaient étalés sur 18 mois. Je dormis très mal cette nuit-là, car je ne cessais de songer à ces monstres invisibles, à de terribles cataclysmes, à des meurtriers sadiques ou à des adolescents démoniaques. Ce fut un soulagement pour moi que de trouver un réveil au beau soleil et une première tasse de thé. Je ne pus m'empêcher pourtant de jeter un coup d'œil à la servante, une pauvre petite chose au visage trop pâle, aux yeux éteints et aux cheveux raides, puis de me demander de quelle union irrégulière elle était le produit. Je pris le petit déjeuner et le journal du matin qu'elles avaient apporté dans ma chambre et je me mis à parcourir ce dernier avec un intérêt morbide. Les faits les plus sinistres étaient une fois de plus soigneusement relégués dans les entrefilets. 2 écoliers de 11 ans étaient impliqués dans le meurtre de la fille sans tête, mais ils prétendaient que c'était un vagabond aux yeux de braise qui l'avait tué. Un pharmacien de Southport était contraint de quitter le conseil municipal car il était accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec son assistant de 14 ans. Des faits nouveaux tendaient à prouver qu'une sage-femme, décédée depuis, avait été une faiseuse d'anges, suivant par là l'exemple de la célèbre Madame Dyer de Reading. Une vieille dame de Langoon avait été gravement blessée par un homme qui l'accusait de sorcellerie. Elle aurait rendu anormaux leur bébé à naître. Le maire de Shepstown avait été attaqué par un homme qui lui gardait quelques obscures rancunes. Toutes ces méditations sur le crime et la corruption influaient sans doute sur ma façon de voir les choses.
J'avais toujours beaucoup aimé ces Gallois, hommes de petite taille à la chevelure sombre et à la peau claire. Je les considérais à présent comme je l'aurais fait s'ils avaient été des troglodytes, et je tentais de retrouver dans leurs yeux quelque chose qui trahisse leur vice secret. Or, plus j'y plongeais, plus j'y apercevais de choses. Je notais le nombre de mots qui s'écrivaient avec deux L, depuis la Lloyd's Bank jusqu'à la ville de Llandudno, et je frissonnais en songeant au Loïgor. Incidemment, j'avais l'impression que ce nom m'était familier. Or, je le retrouvais à la page 258 du livre de Lovecraft intitulé « La chambre close », comme étant celui du dieu qui conduit le vent à travers les espaces interstellaires. J'y trouvais aussi mentionné Gatanotoa, le dieu noir, bien qu'il n'y soit pas désigné comme le chef des habitants des étoiles. C'était presque intolérable de se trouver en train d'arpenter cette rue ensoleillée, de regarder la population vaquer à ses occupations, faire des courses ou admirer les bébés, puis de sentir ce terrible secret au fond de moi, alors que j'aurais tant voulu le partager. J'aurais désiré pouvoir oublier toute l'histoire comme je l'aurais fait d'un cauchemar, de l'invention d'un esprit à moitié dérangé. Il me fallait cependant reconnaître que tout cela s'inscrivait logiquement à la suite du manuscrit de Voynich et de l'évocation des dieux de Lovecraft. Oui, il ne pouvait y avoir de doute, Lovecraft et Machen avaient eu connaissance d'une tradition ancienne qui avait peut-être précédé toutes les civilisations connues sur la Terre. Cela aurait pu être enfin, seule autre solution, une mystification littéraire poussée, organisée par Machen, Lovecraft et Voynich. Il aurait donc fallu tenir ce dernier pour un faussaire. Impossible. Quelle alternative, tout de même. Comment pouvais-je croire à cette histoire et penser que j'avais encore toute ma raison, là, dans cette rue ensoleillée, les oreilles pleines des accents chantants des Gallois. Un monde mauvais et noir, si différent du nôtre que les hommes ne pouvaient même pas tenter de le comprendre. Des puissances étranges dont les actions paraissent incroyablement cruelles et vindicatives. Mais qui n'étaient poussés que par les lois abstraites de leur existence, insaisissables pour nous. Urquhart, avec son visage reptilien et son intelligence morose, et par-dessus tout des forces invisibles qui orientaient les esprits des personnes apparemment modernes qui m'entouraient pour en faire des êtres corrompus et dépravés. J'avais déjà résolu ce que je ferais ce jour-là. Je demanderais à M. Evans de me conduire jusqu'aux Grey Hills qu'évoquait Machen. J'y prendrai quelques photos et je poserai quelques questions discrètes. J'emporterai même une boussole que je mettais en général dans ma voiture en Amérique, pour le cas où il m'arriverait de me perdre, en chemin. Il y avait un petit attroupement devant le garage de M. Evans et une ambulance, rangée au bord du trottoir. Comme je m'approchais, deux ambulanciers sortirent, portant une civière. Je vis M. Evans, l'air sombre, observer ce rassemblement de la petite boutique contiguë à son garage. J'allais lui demander « Que s'est-il passé ?»« C'est un type là-haut qui s'est suicidé cette nuit. Au gaz. »« Vous ne trouvez pas qu'il y en a pas mal par ici ?»« De quoi ?»« Des suicides, des meurtres et ainsi de suite. »« Le journal local en est plein. »« C'est possible. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Ils font tout ce qu'ils veulent. » Je vis qu'il était inutile de poursuivre ce sujet. Je lui demandai s'il pouvait m'emmener jusqu'aux Grey Hills. » Et il secoua la tête. « J'ai promis de rester ici pour donner mon témoignage à la police. Mais vous pouvez prendre la voiture si vous voulez. » J'allai donc acheter une carte de la région et m'installai au volant. Je m'arrêtai 10 minutes pour admirer le pont médiéval qu'avait mentionné Machen. Puis je poursuivis lentement vers le nord. La matinée était venteuse mais point froide, et le soleil donnait au paysage un aspect tout différent de celui qu'il avait l'après-midi précédent. Je cherchais avec soin les indices qui auraient pu faire reconnaître les Grey Hills de Machen, mais je ne vis rien dans ce paysage vallonné et plaisant qui me parut répondre à sa description. Je passai bientôt devant un poteau qui indiquait qu'Abergavenny se trouvait à 16 kilomètres de là. Je décidai d'aller y jeter un coup d'œil. Quand j'y arrivai, le soleil avait si bien dissipé les vapeurs que la nuit avait accumulées dans ma tête, que je fis le tour de la ville. Elle n'avait rien de bien remarquable du point de vue architectural, puis monté à pied, jeter un coup d'œil au château en ruine qui la dominait. J'échangeai quelques paroles avec divers autochtones qui me parurent plus anglais d'allure que gallois. À vrai dire, cette ville était à faible distance de la vallée de la Severn et du Shropshire, chère à A.E. Houseman.
Le mythe des Loïgor me fut cependant remis en mémoire par quelques phrases que le guide local consacrait à William de Browse, lord de Brecaenog ou de Brecon, dont l'ombre plane ténébreuse sur le passé d'Abergavenny, et dont les infamies avaient apparemment choqué les Anglais pourtant sans foi ni loi du XIIe siècle. Je me promis de demander à Urquhart combien de temps les Loïgor avaient vécu dans le sud du pays de Galles, et jusqu'à quelle distance leur influence s'étendait. Je roulai ensuite vers le nord-ouest en passant à travers la région la plus charmante de la vallée de Lusk. À Creek Howell, je m'arrêtai devant un pub tenu à l'ancienne et y pris un verre d'une bière légère et fraîche. J'y entamai une conversation avec un villageois qui me révéla avoir lu Machen. Je lui demandai où il supposait que se trouvaient les Grey Hills. Il me dit en confidence qu'elles étaient droit au nord dans les montagnes noires, ces hautes landes sauvages qui s'étendent entre la vallée de Lusk et de la Wye. Je roulai encore une demi-heure et atteignis le haut col du Bulch, où la vue était l'une des plus belles que l'on puisse trouver au pays de Galles. Avec les Brecon Beacons à l'ouest, une région boisée et vallonnée au sud, des échappées sur l'usque luisant dans le soleil. Les montagnes noires, à l'est, n'avaient rien de menaçant, et rien en elles ne correspondait à la description de la page de Machen qui me servait de guide. Je repris donc la route du sud, repassai par Abergavenny, où je pris un déjeuner rapide, puis m'engager dans les routes secondaires pour me rendre à Landalfen. Une fois de plus, la route s'était mise à grimper fortement. Je commençais alors à pressentir que j'approchais du but. L'aridité de ces collines était telle que l'on songeait à l'atmosphère qui règne dans le cachet noir. Je faisais encore pourtant quelques réserves, car le ciel de l'après-midi s'était assombri et je craignais d'être simplement la victime de mon imagination. J'arrêtai la voiture au bord de la route, près d'un pont de pierre, et sortis pour aller m'appuyer au parapet. Il enjambait une rivière au cours rapide, et la puissance hyaline de ce courant me fascinait au point que j'étais presque hypnotisé. Je passai sur le côté du pont et descendis, enfonçant les talons dans la pente raide, pour conserver l'équilibre. J'éteignis une roche plate au bord du cours d'eau. C'est presque là un acte de bravade de ma part, car je ressentais un certain malaise que je savais avoir en partie provoqué. Un homme de mon âge a tendance à se sentir fatigué et déprimé après le déjeuner, surtout lorsqu'il a un peu bu. J'avais un appareil polaroïde autour du cou. Le vert de l'herbe et le gris du ciel formaient un tel contraste que je décidai de prendre une photo. Je réglai l'ouverture et dirigeai l'objectif vers l'amont, j'arrachai ensuite la photographie et la glissai sous mon manteau à temps pour qu'elle se développe. Une minute après, j'arrachai le négatif. La photo était noire. Elle avait sans doute été exposée à la lumière. Je levai l'appareil et pris un second cliché, jetant le premier dans l'eau. Quand je sortis la seconde photo, j'eus soudain l'intuition qu'elle aussi serait noire. Je jetai des regards nerveux autour de moi et faillis tomber dans le torrent quand j'aperçus une tête qui me regardait du haut du pont. C'était un garçon ou un très jeune homme qui m'observait, appuyé au parapet. Le dispositif qui mesurait le temps cessa de vibrer. Ignorant le garçon, je séparai le papier de la photo. Elle était noire. Je jurai tout bas et la jetai dans la rivière. Je levai alors les yeux pour chercher la voie la plus facile à prendre pour remonter, et je vis le garçon au sommet de la berge. Il portait des vêtements informes, bruns et râpés. Son visage mince et brun me rappelait celui des gitans que j'avais vus dans la gare de Newport. Les yeux bruns étaient totalement dénués d'expression. Je le fixai à mon tour sans sourire, curieux tout d'abord d'apprendre ce qu'il désirait. Comme il ne faisait pas un geste, je craignis soudain qu'il ne fût venu pour me voler. L'appareil photo peut-être ou les chèques de voyage que j'avais dans mon portefeuille. Un second coup d'œil me convainquit qu'il n'aurait rien su en faire. Des yeux vides et les oreilles saillantes révélaient que j'avais affaire à un idiot. Je sus soudain avec certitude ce qu'il avait dans la tête, et cela aussi clairement que s'il me l'avait dit. Il voulait se précipiter sur moi du haut de la pente et me projeter dans la rivière. Mais pourquoi ? Je jetai un coup d'œil vers l'eau. Elle était rapide. Elle m'arrivait peut-être à la taille, peut-être même un petit peu plus haut. Mais elle n'était pas assez profonde pour qu'un adulte s'y noie. Il y avait des roches et des galets dans le lit, mais rien d'une taille telle que je pusse me blesser si j'allais me donner contre. Il ne m'était jamais rien arrivé de comparable, au cours des 50 dernières années tout du moins. La faiblesse et la peur m'envahirent à tel point que je fus tenté de m'asseoir. Seule la résolution de ne pas trahir la crainte qui m'habitait m'en empêcha. Je fis un effort et lui jetai un regard menaçant et irrité, comme il est arrivé parfois d'en lancer à mes étudiants. À ma grande surprise, il me sourit, mais je crois bien qu'il y avait plus de malice que d'amusement dans ce sourire. Puis il fit demi-tour.
Je ne perdis pas de temps, j'escaladai la berge et regagnai une position moins vulnérable. Quand j'atteignis la route quelques secondes plus tard, il avait disparu. Comme il n'y avait pas d'autre abri à 50 mètres à la ronde, il n'avait pas pu se cacher que de l'autre côté du pont ou derrière ma voiture. Je baissai et jetai un coup d'œil sous la voiture pour voir si je n'apercevais pas ses pieds. Il n'était pas visible. Je surmontai la panique qui m'envahissait et allai regarder par-dessus l'autre parapet. Il n'était pas là non plus. Il restait la possibilité qu'il se fût glissé sous le pont, bien que l'eau me parût rouler avec trop de violence. De toute manière, je n'avais pas l'intention d'aller me risquer là-dessous. Je retournai à la voiture en me contraignant à ne pas courir, mais je me sentis en sécurité qu'après avoir commencé à rouler. Au sommet de la colline, je m'aperçus que j'avais oublié dans quel sens j'allais. L'inquiétude m'avait totalement ôté la mémoire, dans quel sens je m'étais approché du pont. En outre, je m'étais garé sur un passage qui s'ouvrait à angle droit sur la route. Je m'arrêtai sur une section déserte pour consulter ma boussole. L'aiguille noire décrivit lentement des cercles apparemment indifférents à toute direction. Les petits coups que je lui donnais n'y changèrent rien. Elle n'était pas cassée, l'aiguille n'avait pas quitté son pivot. Elle était simplement démagnétisée. Je continuai ma route jusqu'au moment où je rencontrai un poteau indicateur, découvris que j'étais dans la bonne direction et poursuivis jusqu'à Pontypool. Le problème de la boussole me troublait un peu mais ne m'inquiétait guère. Ce ne fut que plus tard en y réfléchissant que je me rendis compte qu'il était impossible de démagnétiser une boussole sans en enlever l'aiguille et la chauffer ou la secouer vigoureusement. Or elle marchait encore à l'heure du déjeuner, je l'avais vérifié. Il me vint alors à l'esprit que l'affaire de la boussole, tout comme la présence du garçon, ne constituait qu'un avertissement. Un avertissement vague et imprécis, comme le geste d'un homme endormi qui chasserait une mouche. Tout cela peut paraître absurde et être le fruit d'une imagination trop vive. Je reconnais volontiers que j'étais bien près de le chasser de mes pensées. D'un autre côté, je fais volontiers confiance à mes intuitions. Je me sentais tout de même assez ébranlé pour m'offrir une longue gorgée de cognac de mon flacon, une fois rentré à l'hôtel. J'appelai la réception et me plaignis du froid qui régnait dans ma chambre. 10 minutes plus tard, une servante allumait un feu de charbon sur une grille que je n'avais pas encore remarquée. Assis devant le feu, fumant une pipe et savourant mon cognac, je me sentis revivre. Après tout, rien n'indiquait, même en admettant un instant qu'elle eût existé, que ces puissances fussent hostiles de manière active. Jeune homme, je méprisais le surnaturel, mais avec l'âge, ce qui séparait le vraisemblable de l'invraisemblable avait tendu à devenir moins net pour moi. Je me rendais compte que le monde entier avait quelque chose d'un peu invraisemblable. À 6 heures, je décidai soudain d'aller voir Urquhart. Je ne me donnais pas la peine de lui téléphoner car j'en étais arrivé à le considérer comme un allié, non comme un étranger. J'allai donc à pied, sous une pluie légère, jusque chez lui et tirai la sonnette de la porte d'entrée. Celle-ci s'ouvrit aussitôt sur un homme qui sortait. La galloise dit « Au revoir, docteur » et je demeurai interdit, la dévisageant, tandis qu'une crainte soudaine m'envahit. « Le colonel va bien ?» Elle me répondit qu'il irait assez bien s'il prenait des précautions. Elle me proposa de rester en tant qu'ami, mais pas pour trop longtemps, car il avait besoin de sommeil. Quand je lui demandai ce qui lui était arrivé, elle me répondit que le colonel avait fait une chute dans les escaliers de la cave et qu'il n'avait pas été retrouvé avant quelques heures. En montant, je remarquai qu'il y avait un certain nombre de chiens dans la cuisine. La porte en était ouverte et pourtant ils n'avaient pas aboyé en percevant le son de ma voix. Le couloir de l'étage sentait l'humidité et un méchant tapis en couvrait le plancher. Le Doberman était couché devant une porte. Il me jeta un regard las et soumis, mais ne bougea pas lorsque je passais devant lui. Urquhart me dit « Ah, c'est vous, mon vieux. « Gentil d'être venu. Qui vous en a parlé ?»« Personne. J'étais venu vous voir pour discuter. Que s'est-il passé ?»« J'ai été poussé dans les escaliers de la cave. »« Par qui ?»« Vous n'avez pas besoin de le demander. »« Mais comment est-ce arrivé ?»« J'étais descendu à la cave pour y chercher un peu de ficelle pour le jardin. » À mi-chemin, une sensation désagréable d'étouffement. Je crois qu'ils ont la possibilité d'émettre une sorte de gaz. Et puis je me suis nettement senti poussé de côté. Ça représente une bonne chute avant d'atteindre le charbon. Je me suis tordu la cheville et j'ai pensé que je m'étais fracturé une côte. Alors la porte a été refermée et le loquet poussé. J'ai crié comme un fou pendant 2 heures avant que le jardinier ne m'entende. Je ne doutais plus de sa parole à présent.
et je ne le considérais plus comme un original. Mais vous êtes manifestement en danger ici. Vous devriez aller vivre dans une autre région. Non, ils sont beaucoup plus forts que je ne le pensais. Et après tout, j'étais au-dessous du niveau du sol dans la cave. C'est peut-être là toute l'explication. Ils peuvent atteindre les choses au-dessus du sol, mais cela leur coûte plus d'énergie que ça n'en vaut la peine. De toute manière, il n'y a pas grand mal. La cheville est simplement foulée, et la côte en définitive n'est pas cassée. C'était un simple petit avertissement pour avoir parlé la nuit dernière. Et que vous est-il arrivé, à vous ? Alors c'était ça. Mes propres expériences prenaient un sens à présent. Je lui racontai ce qui s'était passé et il m'interrompit. Vous êtes descendu le long d'une berge escarpée. Vous voyez exactement comme moi qui suis descendu à la cave. Une chose à éviter. Et quand je lui parlais de la boussole, il se mit à rire, mais d'un rire sans joie. C'est facile pour eux. Je vous l'ai dit, ils peuvent s'infiltrer à travers la matière comme l'eau s'insinue dans l'éponge. Voulez-vous prendre quelque chose ? J'acceptai et lui versai aussi un verre. Tout en le buvant à petites gorgées, il me demanda. Ce garçon dont vous avez parlé, je crois que je sais de qui il s'agit. Le petit-fils de Ben Chikno. Je l'ai déjà vu dans les parages. Qui est Chikno ? Un gitan. La moitié de sa famille est composée d'idiots. Ils se marient tous entre eux. L'un de ses fils a tiré 5 ans pour s'être trouvé impliqué dans un meurtre, l'un des plus atroces qui ait jamais été commis par ici. Ils avaient torturé un vieux couple pour savoir où ils cachaient leur argent, puis ils les ont assassinés. On a trouvé quelques-uns des objets volés dans la caravane du fils, mais ce dernier a prétendu qu'ils avaient été déposés par un homme qui avait pris la fuite. Il a eu la chance de ne pas être inculpé de meurtre. Incidemment, le juge est mort une semaine après avoir condamné le fils. Une crise cardiaque. J'avais plus fréquenté Machen que ne l'avait fait Urquhart, et le soupçon qui me vint était tout naturel. Machen décrit en effet les communications qui s'effectuaient entre certains paysans simples d'esprit et les étranges puissances du mal dont il parle. J'interrogeai Urquhart. Ce vieil homme, Chikno, pourrait-il être en rapport avec les Loigor ? Tout dépend de ce que vous entendez par en rapport. Je ne pense pas qu'ils soient assez importants pour en savoir bien long sur eux. Mais c'est bien le genre de personne qu'ils aiment encourager, une vieille charogne dégénérée. Vous devriez demander à l'inspecteur Davison ce qu'il pense de lui. C'est le policier le plus élevé en grade ici. Chikno a collectionné une série de condamnations longues comme le bras. Incendie volontaire, viol, vol à main armée, bestialité, inceste. Un dégénéré complet, en somme. Sur ce, Mrs. Dolgelly lui apporta son dîner et me fit comprendre qu'il était temps pour moi de me retirer. À la porte, je demandai. La caravane de cet homme est-elle installée près d'ici ? À 1,5 km du pont dont vous m'avez parlé, environ. Vous n'avez pas l'intention d'aller là-bas, j'espère. Rien n'était plus éloigné de mes pensées, et je le lui dis. Ce soir-là, j'adressai une longue lettre à George Lauderdale, de l'université Brown. Lauderdale écrit des romans policiers sous un pseudonyme et en lui doit 2 anthologies de la poésie moderne. Je savais qu'il en était en train de consacrer un livre à Lovecraft et j'avais besoin de ses conseils. J'avais désormais l'impression d'être totalement impliqué dans cette affaire. Je n'avais plus le moindre doute. Existait-il donc des preuves de la présence des Loigor dans la région de Providence ? Je voulais savoir si quelqu'un avait élaboré une théorie sur la manière dont Lovecraft s'était procuré son information de base. En quel lieu avait-il vu ou entendu parler du Necronomicon ? Je pris soin de taire à Lauderdale mes préoccupations réelles. Je lui expliquai simplement que j'étais parvenu à traduire une grande partie du manuscrit Voynich et que j'avais des raisons de croire qu'il s'agissait du Necronomicon auquel Lovecraft avait fait allusion. Lauderdale pouvait-il me fournir quant à lui une explication ? Je poursuivis en disant qu'il existait des témoignages prouvant que Machen s'était fondé sur de véritables légendes du Monmouthshire pour écrire ses contes et que je me demandais si des légendes du même genre n'avaient pas servi de base à l'œuvre de Lovecraft. Avait-il eu connaissance de l'existence de légendes locales de ce type ? Courait-il par exemple des histoires déplaisantes au sujet de la maison que l'on fuyait, que Lovecraft occupait dans Benefit Street à Providence ? Le lendemain du jour où Urquhart avait eu son accident, il se passa quelque chose de curieux que je ne mentionnerai qu'en passant, car cela fut sans conséquence.
J'ai déjà parlé de la servante, une jeune fille au teint blême, à la chevelure raide et aux jambes maigres. Après le petit déjeuner, je remontais dans ma chambre et je la trouvais évanouie, me sembla-t-il, sur le tapis, devant la cheminée. J'essayais d'appeler la réception, mais on ne me répondit pas. Elle paraissait petite et légère, et je décidai de la porter jusqu'au lit ou jusqu'au fauteuil. Cela ne présenta aucune difficulté, mais en la soulevant, il me fut impossible de ne pas me rendre compte qu'elle avait presque rien sous son tablier brun, si même elle portait quoi que ce soit. Ceci m'intriguait, car il faisait froid. Au moment où je la posais, elle ouvrit les yeux et me dévisagea avec une joie si malicieuse dans le regard que je fus convaincu qu'elle avait simulé. L'une de ses mains s'empara du poignet que je tentais de dégager avec la nette intention de prolonger notre contact. Comme tout cela a été joué de manière un peu trop grossière, je me relevai d'une secousse. Au même instant, j'entendis des pas derrière la porte que j'ouvris vivement. Un homme à l'air brutal, au visage gitan, se tenait là, surpris de me voir. Il ouvrit la bouche pour me dire « Je cherche un... » C'est alors qu'il aperçut la jeune fille dans la chambre. Je dis rapidement « Je l'ai trouvée évanouie sur le plancher. Je vais chercher un docteur. » Ma seule intention était de m'échapper et de descendre, mais la jeune fille, qui m'avait entendu, s'écria soudain que ce n'était pas la peine. Elle sauta alors au bas du lit. L'homme fit demi-tour et s'éloigna. Elle le suivit quelques secondes plus tard sans même tenter de s'excuser. Il ne fallait guère de subtilité pour comprendre ce qu'ils avaient projeté. Il était chargé d'ouvrir la porte et de nous surprendre. Je ne peux deviner ce qu'ils avaient prévu pour la suite. Peut-être m'auraient-ils demandé de l'argent. Je crois plutôt qu'ils m'auraient attaqué. Il y avait très nettement un air de famille entre cet homme et le garçon qui m'avait dévisagé au pont. Je ne devais jamais le revoir. Quant à la jeune fille, elle sembla dorénavant vouloir m'éviter systématiquement. Cet incident me persuada encore plus que la famille de Gitan était en relation beaucoup plus étroite avec les Loïgor que ne s'en était douté Urquhart. J'appelais ce dernier au téléphone, mais on me dit qu'il dormait. Je passais le reste de la journée à écrire des lettres pour l'Amérique et à visiter les ruines romaines de la ville. Ce soir-là, je vis Chikno pour la première fois. Pour gagner la maison de Urquhart, il me fallait passer devant un petit bar à la vitrine duquel on avait apposé un écriteau « On ne sert pas les Gitans ». À la porte de ce bar, pourtant, il y avait un homme mal fagoté. Un vieil homme à l'air innocent qui, les mains dans les poches, me regardait passer. Il fumait une cigarette qui pendait de ses lèvres. C'était, à n'en pas douter, un gitan. Je racontai à Urquhart l'incident de la servante, mais il parut enclin à ne pas en tenir compte. Il pensait que ces gens-là avaient tout au plus l'intention de me faire chanter. Il manifesta plus d'intérêt quand je lui parlais du vieil homme et il me demanda de le décrire en détail. « C'est bien Chikno. Je me demande ce que diable il peut bien vouloir. Il n'a pas l'air bien méchant. Pas plus méchant qu'une araignée venimeuse. » Cette rencontre avec Chikno m'avait troublé. Physiquement, j'espère ne pas être plus craintif qu'un autre, mais le garçon vu près du pont et l'affaire de la servante m'avait fait prendre conscience que nous sommes tous très vulnérables sur le plan physique. Si le petit ami de la servante, ou son frère, ou Dieu sait de qui il s'agissait, avait résolu de me donner un bon coup dans l'estomac, il aurait pu me battre jusqu'à l'inconscience ou me casser toutes les côtes sans que je puisse émettre un son. Or, aucun jury au monde n'aurait condamné un homme qui aurait tenté de défendre l'honneur d'une jeune fille, surtout si cette dernière avait prétendu être revenue à elle après un évanouissement et avoir découvert qu'on était en train de la violer. Cette pensée fit naître en moi une sensation pénible, et je redoutais d'être en train de jouer avec le feu. Cette crainte explique l'incident qui se produisit ensuite et qu'il me faut décrire. Je dois tout d'abord mentionner qu'Urquhart sortit de son lit au bout de 3 jours et que nous étions partis en voiture vers les Grey Hills pour tenter de découvrir s'il y avait un fondement à la mention faite par Machen de l'existence des grottes souterraines censées abriter ces troglodytes malveillants. Nous interrogeâmes le pasteur de Liendalfen et ceux de 2 villages voisins, parlâmes à quelques paysans en expliquant que nous recherchions des marmites de géants. Si nul ne s'étonna de notre invraisemblable prétexte, nul ne put nous fournir de renseignements. Le ministre de Liendalfen nous dit pourtant avoir entendu des rumeurs à propos de failles qui se seraient ouvertes dans le flanc des collines et dont l'entrée aurait été dissimulée par des blocs de pierre. Urquhart était épuisé après cette journée passée à boiter derrière moi et il rentra chez lui à 6 heures, résolu à se coucher tôt. Sur le chemin du retour, je crus, ou peut-être l'avais-je imaginé, voir un homme à l'allure de gitan me suivre sur plusieurs centaines de mètres. Une silhouette qui me rappelait celle du jeune garçon du pont se tenait près de l'entrée de l'hôtel, mais elle s'en éloigna dès que j'en approchais.
Je commençais à avoir l'impression d'être un homme marqué. Après le dîner, comme je me sentais mieux, je décidai de marcher jusqu'au pub où j'avais vu le vieux Chickno et de m'enquérir sans éveiller les soupçons s'il y était connu. J'étais encore à 400 mètres de là quand je l'aperçus, à la porte d'une crèmerie, qui m'observait sans s'en cacher. Je savais que si j'ignorais sa présence, le sentiment d'insécurité qui m'habitait ne ferait que croître, et que cela me vaudrait peut-être une nuit blanche. Je fis donc ce qu'il m'arrive de faire avec les monstres qui me visitent dans mes cauchemars. Je marchais droit sur le lit et l'accostai. J'eus un instant la satisfaction de voir que je l'avais pris par surprise. Il détourna rapidement ses yeux larmoyants, réaction habituelle chez un homme qui n'a pas la conscience tranquille. Comme j'arrivais à son niveau, je me rendis compte qu'une accusation directe, « Pourquoi me suivez-vous ?» par exemple, ne rimerait pas à grand-chose, et réagirait avec la ruse instinctive d'un homme qui a l'habitude du mauvais côté de la barrière, et il nierait carrément. Je me contentais donc de lui sourire et de lui dire « Belle soirée ». Il grimaça un sourire à son tour et me répondit. Je me plantai alors à côté de lui et prétendis m'intéresser à ce qui se passait dans la rue devant nous. J'eus une fois de plus l'envie de suivre mon intuition. Je le sentais assez mal à l'aise de se retrouver dans la position du gibier, pour ainsi dire. Il était plus habitué à jouer le rôle du chasseur. Au bout de quelques instants, il reprit. « Vous n'êtes pas d'ici. »« C'est vrai, je suis américain. » Vous n'êtes pas d'ici non plus, si j'en juge par votre accent. Non, du Lancashire. Downham, pour être plus précis. Ah, le village des sorcières. J'avais fait un cours sur les romanciers de l'époque victorienne et je me souvenais encore des sorcières du Lancashire, d'Ainsworth. Il fit une nouvelle grimace et je vis qu'il n'avait plus une seule dent. Ses chicots étaient noircis et brisés. De près, je me rendis compte également que j'avais eu bien tort de penser qu'il avait l'air innocent. La comparaison qu'avait faite Urquhart avec une araignée venimeuse n'était pas si éloignée que cela de la réalité. Pour commencer, il était bien plus âgé qu'il n'en avait l'air, plus de 80 ans selon moi. L'âge ne paraissait cependant ni l'avoir adouci ni l'avoir rendu bienveillant. Il avait un air négligé, dégénéré, et en même temps une sorte de vitalité déplaisante, comme s'il avait pris plaisir à faire encore le mal ou à se sentir redouté. Le simple fait de lui parler me mettait mal à l'aise. C'était un peu comme flatter un chien que l'on soupçonne d'avoir la rage. Urquhart m'avait rapporté quelques histoires très déplaisantes à son propos, et j'y ajoutais volontiers foi à présent. Je me souvenais de l'aventure survenue à la petite fille d'un ouvrier agricole qui avait accepté son hospitalité par un soir de pluie, et il m'était difficile de dissimuler mon dégoût. Nous demeurâmes ainsi quelques minutes à regarder la rue et quelques jeunes qui flânaient, portant des transistors, sans nous prêter attention. « Tendez votre main. » Je le fis. Il les regarda avec intérêt et y suivit ensuite du pouce les lignes qui se creusaient à la base de mon pouce droit. « Longue ligne de vie. Je suis heureux de l'apprendre. Pouvez-vous voir quelque chose d'autre ?» Il me regarda et sourit avec malice. « Rien qui vous intéresserait. » Il y avait quelque chose d'irréel dans toute cette conversation. Je jetai un coup d'œil à ma montre. « C'est l'heure d'aller prendre un verre. » J'avais déjà commencé à m'éloigner quand je dis, comme si l'idée venait de m'en traverser l'esprit. « Voulez-vous vous joindre à moi ?»« Ben, je ne dis pas non. » L'insolence de son sourire était telle qu'un homme qui n'aurait pas été poussé comme moi par un autre motif en aurait été offensé. Je savais ce qu'il pensait, que j'avais peur de lui et que j'étais en train d'essayer de me le concilier. S'il y avait du vrai dans la première partie de la proposition, rien n'était moins certain pour ce qui était de la seconde. J'estimais que son inaptitude à me comprendre me conférait un léger avantage. Nous marchâmes jusqu'au pub où j'avais l'intention d'entrer, je découvris alors l'écriteau placé dans la vitrine. Et j'hésitais. « Ne vous tourmentez pas, c'est pas pour moi. » Un instant plus tard, je vis pourquoi. La salle était à moitié pleine, quelques paysans jouaient aux fléchettes. Chickno gagna directement la chaise qui se trouvait sous la cible et s'y assit. Certains hommes eurent l'air contrarié, mais aucun ne dit mot. Ils reposèrent les fléchettes sur l'appui de la fenêtre et gagnèrent le bar. Chickno sourit. Je me rendis compte qu'il lui était agréable de faire montre de son pouvoir. Il m'annonça qu'il prendrait un rhum. J'allai au bar et le patron me servit sans me regarder en face. Les hommes se dirigèrent discrètement à l'autre extrémité, ou tout au moins ils s'éloignèrent de nous autant qu'ils le purent sans trop en avoir l'air. Il était clair que Chickno était craint. Peut-être la mort du juge qui avait condamné son fils y était-elle pour quelque chose. Urquhart devait me donner d'autres raisons plus tard.
Une chose que je découvris alors me détendit un peu. Il ne tenait pas la boisson. Je ne lui avais offert qu'un petit rhum, de crainte qu'il ne pense que j'avais voulu l'enivrer. Mais comme il le regardait et commentait sur sa petitesse, j'en commandai un autre. Il avait bu le premier quand je lui apportais le second. 10 minutes plus tard, son regard avait perdu un peu de sa malice et de son acuité. J'estimais n'avoir rien à perdre en usant de la franchise. « J'ai entendu parler de vous, Monsieur Chicno. Il est extrêmement intéressant pour moi de vous avoir rencontré. »« Oui, ça se pourrait bien. » Il but pensivement son second rhum à petits coups tout en sussautant l'une de ses dents creuses. Puis il reprit. « Vous m'avez l'air d'être un type pas bête. Pourquoi restez-vous là? On n'a pas besoin de vous. » »« Je vais m'en aller très bientôt. Probablement à la fin de la semaine. J'étais venu ici pour essayer de trouver quelque chose. » « Avez-vous déjà entendu parler du manuscrit de Voynich ?» Il était visible que ça ne lui était jamais arrivé. En dépit de l'impression que j'avais de perdre mon temps et regarder devant lui les yeux vides, je lui racontai brièvement l'histoire du manuscrit et la manière dont je l'avais déchiffré. Je terminai en lui disant que Machen paraissait avoir eu connaissance, lui aussi, de cette œuvre et que je pensais que l'autre moitié, à moins que ce ne fût un autre exemplaire peut-être, aurait pu se trouver dans cette partie du monde. Quand il me répondit, je vis que je m'étais trompé en le supposant stupide ou inattentif. « Alors vous voulez me faire croire que vous êtes venu dans ce pays pour y chercher un manuscrit ? Et c'est tout ?» Le ton avait la rudesse du Lancashire, mais il n'était pas hostile. Je repris. « C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. » Il se pencha sur la table et me souffla du rhum dans le nez. « Écoutez un peu, monsieur. J'en sais plus que vous ne croyez. » Je sais tout sur vous, alors pas de ça entre nous. Peut-être bien que vous êtes un professeur d'université, mais vous ne m'impressionnez pas. J'avais la sensation très vive de me trouver devant un rat ou une belette. J'éprouvais le sentiment qu'il était dangereux et qu'il aurait fallu pouvoir le détruire comme un serpent venimeux. Je fis pourtant un effort pour que mes yeux ne me trahissent pas. Je venais soudain de saisir une chose. Il était impressionné par le fait que j'étais professeur et aimait pouvoir se trouver en position de me donner virtuellement l'ordre de m'en aller et de m'occuper de ceux qui me regardaient. Je pris donc une profonde inspiration et dis poliment « Croyez-moi, monsieur Chicno, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est « trouve dans ce manuscrit. Si je pouvais le trouver, je serais parfaitement heureux. » Il termina son rhum et je crus un instant qu'il allait se lever et partir. Il en voulait simplement un autre. J'allai au bar, lui pris un double rhum et un second Haig pour moi. Quand je me fus rassis, il avala une longue gorgée de rhum. « Je sais pourquoi vous êtes ici, monsieur. Je sais à propos de votre livre aussi. Je suis pas un méchant type. Tout ce que je peux dire, c'est que personne ne s'intéresse à vous. Alors pourquoi vous retournez pas en Amérique ? Vous trouverez pas le reste de votre livre par ici, ça je peux vous le dire. » Nous ne parlâmes plus, ni l'un ni l'autre, pendant quelques minutes. Je me décidai pour la franchise absolue. Pourquoi veulent-ils que je m'en aille ? Un instant, ce que j'avais dit ne l'atteignit pas. Puis son visage se fit sérieux, grave même, mais ce fut très bref. Mieux vaut ne pas parler de ça. Un moment plus tard, il parut se raviser. Ses yeux s'emplirent à nouveau de malice. Il se rapprocha de moi. « Ils ne sont pas intéressés par vous, monsieur. Ils se moquent même pas mal de vous. C'est lui qu'ils n'aiment pas. » Il fit un bref signe de tête. J'en conclus qu'il voulait parler d'Urquhart. « C'est un imbécile. Il a eu assez d'avertissements comme ça et vous pouvez aller lui dire de ma part. Ils ne se donneront plus la peine de l'avertir la prochaine fois. » « Il ne croit pas qu'ils aient le moindre pouvoir, pas assez pour lui faire du mal en tout cas. » Il parut ne pas savoir s'il devait sourire ou ricaner. Il fit une grimace et j'eus un instant l'illusion que ses yeux étaient devenus tout rouges, comme ceux d'une araignée. Puis il cracha. « Alors ce n'est qu'un sacré imbécile. Et il n'aura que ce qu'il mérite. » La crainte m'avait serré le cœur, mais je sentis aussi naître en moi un très léger sentiment de triomphe. Il s'était mis à parler. La franchise avait payé. À moins qu'il ne se remît sur ses gardes, j'allais découvrir certaines des choses que je cherchais à savoir. Il se domina un peu et affirma sur un ton moins violent. « D'abord, c'est un imbécile parce qu'il ne sait vraiment rien, même pas ça.
Il me tapait sur le poignet de son index replié. Je m'en doutais. C'est vrai? Eh bien, vous aviez raison. Toute cette histoire au sujet de l'Atlantide. Aucun doute, son mépris était réel. Les paroles qu'il prononça ensuite me donnèrent pourtant un choc plus violent que tout ce qu'il m'avait révélé jusque-là. Il s'avança et me souffla avec une curieuse sincérité dans la voix. « Ces choses-là sont pas sorties d'un conte de fées, vous savez. Elles jouent pas à ces jeux. » Je compris ce qui n'avait pas été clair pour moi jusqu'alors. Il les connaissait. Il les connaissait et en parlait avec ce réalisme indifférent du savant qui fait allusion à la bombe atomique. Je crois bien qu'avant d'en arriver à ce point, je n'avais pas vraiment cru en eux. J'avais espéré que tout cela n'était qu'une sorte de bizarre hallucination, ou que, comme les fantômes, ces êtres ne pouvaient pas avoir d'influence réelle sur les affaires humaines. Ces paroles venaient de me faire saisir mon erreur, ces choses-là. Mes cheveux se hérissaient et je sentis le froid m'envahir les jambes, puis les pieds. « Et que font-ils ? » Il vida son verre et dit d'un air détaché, « Ça n'a rien à voir avec vous, mon vieux. Vous n'y pouvez rien, personne n'y peut rien. Voyez-vous, c'est leur monde, après tout. Nous, on est une erreur. Ils veulent le reprendre. » Il attira l'attention du barman et lui montra son verre. Je me déplaçai et allai lui chercher son nouveau rhum. Je voulais partir le plus vite possible et parler à Urquhart. Si je ne voulais pas courir le risque de le vexer, cela n'allait pas être facile. Chikno résolut la question pour moi. Après son troisième double rhum, il cessa brusquement d'être intelligible. Il marmonna des choses dans une langue que je pris pour celle des Tziganes. Il mentionna plusieurs fois le nom d'une Liz Southern, qu'il prononçait Southern. Plus tard seulement, je me souvins que l'une des sorcières du Lancashire, exécutée en 1612, s'appelait ainsi. Je ne compris ni ce qu'il disait, ni si cela avait véritablement un rapport avec la sorcière. Son regard devint vitreux, mais il resta persuadé qu'il me fournissait des renseignements. J'eus enfin l'impression très étrange que ce n'était plus le vieux Chikno qui s'adressait à moi, mais un homme possédé par une autre créature. Une demi-heure plus tard, il dormait, la tête sur la table. Je traversai la pièce, allai au barman et lui indiquai le vieux Chikno. « Je regrette ce qui vient de se passer là-bas. Ça ne fait rien. » Je pense qu'il avait déjà compris que je n'étais pas un ami du gitan. Je vais téléphoner à son petit-fils. Il le ramènera chez lui. J'appelai la maison d'Urquhart de la cabine la plus proche. Sa gouvernante me répondit qu'il dormait. Je fus tenté d'aller chez lui et de le réveiller, mais j'y renonçai et regagnai l'hôtel tout en regrettant de n'avoir pas quelqu'un à qui parler. J'essayai de mettre de l'ordre dans mes pensées, de découvrir un sens à ce que Chikno m'avait dit. S'il ne niait pas la réalité de l'existence des Loigor, pourquoi avoir prétendu qu'Urquhart s'était réellement trompé? J'avais trop bu pour moi, et je me sentais épuisé. Je m'endormis à minuit et j'eus un sommeil agité, hanté par les cauchemars. À 2 heures du matin, je me réveillai avec le sentiment horrible de la malveillante réalité des Loigor. Mais ce sentiment était mêlé au souvenir des rêves pénibles que j'avais faits à propos du marquis de Sade et de Jack l'Éventreur. J'avais si fort l'impression d'être en danger que j'allumai la lumière. Je me sentis mieux. Je me dis que je ferais mieux de transcrire la conversation que j'avais eue avec Chikno et de la donner à lire à Urquhart, pour le cas où il pourrait ajouter quelques-uns de morceaux qui manquaient à ce puzzle. Je la notai donc en détail. Le froid m'engourdissait les doigts. Je me rendormis, mais je fus réveillé par un léger tremblement qui agita la pièce et me rappela une secousse de tremblement de terre que j'avais ressenti un jour au Mexique. Je me rendormis ensuite jusqu'au matin. Avant d'aller prendre le petit déjeuner, je passai à la réception pour y demander mon courrier. Lauderdale m'avait répondu de l'université Brown et je le lus tout en mangeant des Keepers. La plus grande partie de sa lettre était consacrée aux questions littéraires. Il y examinait Lovecraft et sa psychologie. Mais il y avait aussi des pages qui m'intéressaient bien davantage. Lauderdale écrivait « Je suis moi-même enclin à croire, en me fondant sur le témoignage que nous offrent ces lettres, que l'une des expériences les plus importantes du début de la vie de Lovecraft » a bien été le séjour qu'il a fait à Coasset, un pauvre village de pêcheurs qui se situait entre Conocontog et Wicapog, dans le sud de l'état de Rhode Island. Tout comme Linsmouth de Lovecraft, ce village devait être rayé de la carte plus tard. J'y suis allé et j'ai trouvé que l'atmosphère y était en bien des points comparable à celle que Lovecraft avait reconstituée pour décrire Innsmouth, que Lovecraft a placé dans le Massachusetts. Plus de maisons vides que d'hommes, la décrépitude ambiante, les relents de poissons.
Il y avait, en outre, un personnage connu sous le nom du capitaine Marsh, qui vivait à Cohasset en 1915, époque à laquelle Lovecraft y résidait. Ce qui avait passé un certain temps dans les mers du Sud. C'est peut-être lui qui avait raconté au jeune Lovecraft des histoires où il était question de temples polynésiens consacrés au mal, et de gens qui vivaient au fond de la mer. La plus importante de ces légendes, elle est également mentionnée par Jung et par Spence, est celle que raconte l'histoire des dieux des étoiles, qui étaient autrefois les maîtres de cette terre et qui avaient perdu leur pouvoir par la pratique de la magie noire, mais qui reviendraient un jour et reprendraient possession de cette planète. Dans la version citée par Jung, il est dit que ces dieux avaient créé les êtres humains en partant de monstres subhumains. Selon moi, Lovecraft aurait tiré le reste du mythe des écrits de Machen ou peut-être de Poe qui faisait parfois allusion à de telles choses, dans Manuscrits trouvés dans une bouteille par exemple. Je n'ai pas pu découvrir la preuve qu'il y ait eu des rumeurs déplaisantes au sujet de la maison que l'on fuyait, de Benefit Street ou de toute autre demeure de Providence. C'est avec le plus grand intérêt que je lirai ce que vous avez à dire à propos des sources de Machen. J'estime qu'il se peut que Machen ait entendu parler d'un ouvrage secret, du genre, de celui que vous mentionnez, mais je ne dispose d'aucun témoignage prouvant que Lovecraft ait eu lui-même connaissance d'un tel livre. Je suis certain que toute rencontre entre son Necronomicon et le manuscrit Voynich n'est, comme vous le suggérez, que coïncidence. Mes cheveux s'étaient dressés quand j'avais lu la phrase concernant les dieux qui allaient revenir un jour et reprendraient possession de cette planète. Tout comme lorsque j'avais vu l'allusion aux légendes polynésiennes, car comme Churchward l'a dit, l'île de Pâques, Tahiti, les Samoa, Hawaï et les îles Marquises sont les doigts pathétiques de cette grande terre et elles se tiennent aujourd'hui comme autant de sentinelles au bord d'une tombe silencieuse. La Polynésie est tout ce qui reste de Mu. Tout cela ne m'en apprenait guère plus que je ne savais ou l'avais déjà deviné. Ma rencontre avec Chikno soulevait pourtant un problème très réel. Jusqu'à quel point Urquhart se trouvait-il réellement en danger? Il pouvait très bien avoir raison quand il affirmait que les Loïgor n'avaient guère de pouvoir ou très peu. Mais il n'était pas sûr qu'il en fût de même en ce qui concernait Chikno et sa famille. Même si on adoptait le point de vue le plus sceptique que l'on tint toute l'affaire pour n'être que le produit de l'imagination et de la superstition, Chikno représentait un danger très réel. Pour une raison ou pour une autre, il détestait Urquhart, lui et les siens. Le réceptionniste effleura ma manche. « Téléphone pour vous, monsieur. » C'était Urquhart. Je m'écriai. « Dieu merci, vous avez appelé. Il faut que je vous voie. » « Vous en avez entendu parler, alors ?»« Entendu parler de quoi ?»« De l'explosion. Chikno est mort. » « Quoi? Vous en êtes sûr ?»« Pratiquement. Encore qu'il n'ait pu retrouver grand-chose de lui. » « J'arrive tout de suite. » C'était la première allusion que j'entendais faire au sujet de la grande explosion de Landalphon. Il y a sur mon bureau un volume intitulé « Plus étrange que logique » dont l'auteur, Frank Edwards, nous a quittés récemment. Il s'agit de l'un de ces recueils de mystères et de merveilles dont les sources sont toujours un peu douteuses. On y trouve une section consacrée à la grande explosion de Landalphon, dans laquelle l'auteur en déclare en substance qu'il s'agissait d'une explosion atomique, sans doute dû à la défaillance des moteurs d'un objet volant non identifié. Edwards cite les propos du spécialiste des fusées Willy Ley, selon lesquels les cratères sibériens de 1908 auraient pu avoir été causés par une explosion d'antimatière, puis établit un parallèle entre l'explosion de Landalphon et le point d'impact de Pokha-Menyaya-Tunguska. Moi, je tiens cela pour carrément absurde. J'ai vu le lieu de l'explosion et il n'y avait pas là, et de loin, des bouleversements tels qu'on ait pu y voir le résultat d'une explosion atomique, eût-elle été de faible puissance. Mais voilà que j'anticipe sur la suite de mon histoire. Urquhart me retrouva à mi-chemin de sa maison et nous roulâmes jusqu'à Landalphon. Il s'était donc produit une terrible explosion aux environs de 4 heures ce matin-là. C'est peut-être cela qui m'avait réveillé à l'aube. La zone touchée était heureusement déserte, mais un ouvrier agricole, vivant dans une petite maison à 5 km, avait été projeté hors de son lit. Ce qu'il y avait de plus curieux dans toute cette affaire, c'est qu'il y avait eu extrêmement peu de bruit. L'ouvrier agricole avait cru à un tremblement de terre et s'était rendormi. Deux hommes du village qui rentraient chez eux à la fin de la soirée disaient avoir perçu comme un bruit sourd leur rappelant celui d'une explosion de mine ou d'un coup de foudre lointain, et s'être demandé si un avion ne s'était pas écrasé avec un chargement de bombes.
L'ouvrier agricole avait pris sa bicyclette à 7 heures pour aller jeter un coup d'œil, mais il n'avait rien découvert. Il en avait pourtant parlé au fermier qui l'employait, et tous deux s'étaient rendus sur les lieux un peu après 9 heures, dans la voiture du fermier. Cette fois, le fermier avait tourné pour prendre une route secondaire et rouler en direction des caravanes de gitans qui s'étaient arrêtées à 3 kilomètres de l'embranchement. Leur première découverte n'avait pas été, comme Edwards l'affirme, un fragment de corps humain, mais une partie de la patte antérieure d'un âne. Elle gisait au milieu de la route. Plus loin, ils s'étaient aperçus que les murs de pierre et les arbres avaient été soufflés. Des petits morceaux de la caravane et d'autres débris étaient dispersés sur plusieurs centaines de mètres autour du centre de l'explosion, qui se situait dans le champ d'un hectare environ où les caravanes avaient été installées. Je vis ce champ à mon tour. L'inspecteur de police de Llandalfen, qui connaissait Urquhart, nous avait permis d'en approcher. Et j'eus tout d'abord l'impression qu'il s'agissait d'un tremblement de terre plutôt qu'une explosion ordinaire. Une explosion produit un cratère ou déblaye une zone qu'elle nivelle plus ou moins. Mais ici, le terrain était bouleversé et crevassé, comme s'il y avait eu une convulsion souterraine. Un ruisseau coulait dans le champ et il avait déjà transformé toute cette surface en lac. D'un autre côté, on pouvait relever certains indices caractéristiques d'une explosion. Des arbres avaient été abattus et n'étaient plus que souches déchiquetées, tandis que d'autres n'avaient même pas été touchées. Le muret élevé entre le champ et la grande route était presque intact, bien qu'il ait couru le long du sommet d'un escarpement, alors qu'un mur beaucoup plus éloigné qui se dressait dans le champ voisin avait été dispersé sur un grand espace. Il y avait aussi bien sûr les restes méconnaissables de l'homme et de l'animal que nous étions attendus à voir, des lambeaux de peau, des fragments osseux. Bien peu étaient identifiables, l'explosion paraissait avoir réduit en miettes toutes les créatures vivantes de ce champ. L'antérieur de l'âne qu'avait découvert le fermier constituait le plus grand fragment retrouvé. Je me sentis très vite très mal, et je dus aller m'asseoir dans l'auto. Mais Urquhart continua à boitiller dans les environs pendant plus d'une heure encore, tout en relevant divers éléments brisés. J'entendis un sergent lui demander ce qu'il cherchait, et Urquhart lui répondre qu'il ne le savait pas. Mais moi, je savais. Il espérait trouver quelque indice décisif qui lui permettrait d'établir le lien qui rattachait ces gitans à Mu. Je ne saurais dire pourquoi, j'étais certain qu'il n'en trouverait pas. À ce moment, il devait y avoir plus d'un millier de curieux autour de ce point. Ils tentaient d'en approcher assez pour découvrir ce qui s'était passé. Notre voiture fut arrêtée une douzaine de fois, pour le moins, quand nous entreprîmes de rentrer. Urquhart déclarait à qui le lui demandait qu'il était persuadé qu'une soucoupe volante avait explosé. En réalité, nous étions tous deux à peu près certains de savoir ce qui s'était passé. Je crois que le vieux Chicknow était allé trop loin et qu'il m'en avait trop dit. Urquhart pensait que sa principale erreur avait été de considérer les Loïgors comme des êtres assez semblables aux humains et lui-même comme un serviteur dont on tolérait qu'il prît des libertés. Il ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait parfaitement se passer de lui et sa tendance naïve à se vanter et à se présenter comme un ambassadeur en avait fait un élément dangereux pour eux. Nous en arrivâmes à cette conclusion une fois que je décris à Urquhart les circonstances dans lesquelles Chicknow m'avait parlé. Quand j'ai fini de lui dire mes notes, Urquhart me dit « Rien d'étonnant à ce qu'il l'ait tué. Mais il n'avait pas dit grand-chose, somme toute. » Mais il en avait dit assez. Peut-être ont-ils pensé d'ailleurs que nous pourrions en deviner plus qu'il ne nous en avait dit. Nous déjeunâmes à l'hôtel et le regrettâmes. Tous les gens semblaient savoir d'où nous venions, nous dévisager et tenter de surprendre notre conversation. Le garçon passa tellement de temps à traîner autour de notre table que le gérant finit par le rappeler à l'ordre. Nous mangeâmes aussi rapidement que possible et regagnâmes la maison d'Urquhart. On avait à nouveau allumé un feu dans la bibliothèque et Madame Dolgelly nous y servit le café. Je me souviens encore de chaque instant de cet après-midi. Il régnait un tel climat de tension que nous pressentions un malheur, l'approche d'un danger physique. Ce qui avait le plus impressionné Urquhart, c'était le mépris manifesté par le vieux Chicknow quand je lui avais dit que le colonel était persuadé qu'il n'avait pas de véritable pouvoir. Je me souvenais encore du flot de paroles grossières et méprisantes qui avait fait tourner la tête à plusieurs personnes de ce pub. Or, ce que Chicknow m'avait dit, s'était avéré exact. Ils avaient énormément de pouvoir, plusieurs sortes de pouvoir. Nous en tirâmes la conclusion que la dévastation que nous avions vue régner dans le champ des gitans n'était due ni à un tremblement de terre ni à une explosion, mais en quelque sorte à l'action combinée de l'un et de l'autre. Une explosion assez violente pour éventrer ces caravanes aurait dû avoir été clairement perçue à Southport et Melinkert, et plus encore à Llandalfan, qui ne se trouvait qu'à 8 kilomètres de là. Les fentes et les fissures de la terre suggéraient une commotion du sol, mais un bouleversement du terrain n'aurait pu suffire pour disjoindre ainsi les caravanes.
Urquhart estimait, et je finis par me ranger à son opinion, que les caravanes et leurs occupants avaient été littéralement déchiquetés. Dans ce cas, quel sens aurait eu la commotion terrestre ? Deux explications possibles s'offraient à nous. Cette dernière s'était produite au moment où les créatures venues du sous-sol s'étaient forcées un passage. Ou bien encore, le tremblement de terre n'était qu'une fausse piste délibérée, laissée là pour tromper la meute. Les conséquences qui découlaient d'une telle supposition étaient si effrayantes que nous nous versâmes un whisky, bien que ce ne fût encore que le milieu de l'après-midi. Cela signifiait qu'ils se souciaient de fournir une explication apparemment naturelle à ce qui était arrivé. Cela sous-entendait aussi qu'ils avaient une bonne raison de chercher à garder le secret. Et autant qu'il nous était possible de le comprendre, ils n'avaient qu'une seule raison de ce genre. Ils avaient leur plan, leur projet pour l'avenir. Je me rappelais les paroles de Chikno. C'était leur monde, après tout. Et ils veulent le reprendre. Ce qui nous irritait, c'est que dans tous les livres qu'ils possédaient sur l'occultisme et sur l'histoire de Mu, Urquhart ne trouvait rien qui nous suggéra une réponse. Il était difficile de lutter contre le sentiment de désespoir qui nous paralysait, de ne pas savoir par où commencer. Le journal du soir accrut encore notre abattement, car on y révélait en confidence que l'explosion avait été provoquée par de la nitroglycérine. Les experts avaient mis au point une théorie qui semblait expliquer les faits. Le fils et le gendre de Chikno avaient été carriers dans le nord et avaient l'habitude de manier les explosifs. La nitroglycérine était parfois utilisée dans des carrières parce qu'elle est peu chère et facile à fabriquer. Selon l'article, on soupçonnait les enfants de Chikno d'avoir volé des quantités importantes de glycérine ainsi que d'acide azotique et sulfurique. Leur intention, prétendait l'auteur du reportage, était de s'en servir pour faire sauter des coffres-forts. Ils devaient avoir fabriqué d'assez grandes quantités de nitroglycérine et une sorte de tremblement de terre avait tout fait exploser. Cette explication était absurde. Il aurait fallu une tonne de nitroglycérine pour causer des dégâts aussi importants. De toute manière, une explosion de nitroglycérine laisse des traces caractéristiques. On ne relevait aucune trace de ce genre dans le champ dévasté. Une explosion de nitroglycérine, enfin cela s'entend, et personne n'avait entendu celle-ci. Cette explication ne fut pourtant jamais mise sérieusement en doute, bien qu'il y ait eu plus tard une enquête officielle sur les causes du désastre. Il faut supposer que, comme les hommes redoutent les mystères pour lesquels ils n'ont aucune explication, leur esprit a besoin d'une solution, si absurde soit-elle, pour se rassurer. Il y avait un autre fait divers dans le journal du soir qui paraissait tout d'abord n'avoir guère de rapport avec le précédent. Le titre en était ainsi rédigé. « L'explosion a-t-elle libéré un gaz mystérieux ?» Ce n'était qu'un court paragraphe où l'on révélait que de nombreuses personnes de la région s'étaient réveillées ce matin-là avec une forte migraine et une sensation de lassitude, signe avant-coureur, en apparence, d'une attaque de grippe. Les impressions s'étaient dissipées un peu plus tard dans la journée. L'explosion n'avait-elle pas libéré un gaz ? Interrogeait le reporter qui aurait pu provoquer l'apparition de tels symptômes. Le correspondant scientifique du journal avait ajouté une note dans laquelle il soulignait que l'anhydride sulfureux pouvait précisément faire paraître ces symptômes et que diverses personnes en avaient d'ailleurs perçu l'odeur caractéristique au cours de la nuit. La nitroglycérine, bien entendu, contient une faible quantité d'anhydride sulfureux, ce qui pouvait expliquer l'odeur. Urquhart me dit alors « Nous allons vite être renseignés là-dessus, en tout cas. » Il téléphona au bureau météorologique de Southport. Ils le rappelèrent 10 minutes plus tard pour lui donner la réponse. Au cours de la nuit, le vent avait soufflé du nord-est. Llandalfen se situait au nord du lieu de l'explosion. Et pourtant, nous ne comprenions ni l'un ni l'autre la signification de ce fait divers. Nous perdîmes des heures à chercher les indications qui nous mettent sur la voie, tant dans ma traduction du manuscrit de Voynich que dans une trentaine d'ouvrages sur Mu et autres sujets apparentés. Puis, au moment d'attraper un autre volume sur les murs et l'Atlantide, mon regard tomba sur le livre de Sage Verrel, s'étoile. Esprit frappeur. Je suspendis mon geste, ne pouvant en détacher mes yeux. J'interrogeai ma mémoire pour tenter de retrouver un fait que j'avais à demi oublié. Et cela me revint enfin. « Mon Dieu, Urquhart, je viens de penser à quelque chose. D'où ces créatures tirent-elles leur énergie ?» Il me regardait sans comprendre. Alors je repris. « Est-ce leur énergie naturelle ? Il faut avoir un corps physique pour pouvoir produire de l'énergie physique. Mais vous souvenez-vous de ce qui se passe pour les esprits frappeurs ?» C'est alors qu'il comprit à son tour. Les esprits frappeurs tirent leur énergie des êtres humains, de jeunes filles le plus souvent. Pour certains, les esprits frappeurs n'ont pas d'existence indépendante. Ils sont une sorte de manifestation psychique de l'inconscient, des adolescents. Une explosion de frustration ou la manifestation d'un irrésistible besoin d'attention. Pour d'autres, ce sont des esprits qui sont dans la nécessité d'emprunter de l'énergie à une personne émotionnellement troublée.
Ces toiles citent des cas de perturbations apportées par des esprits dans des habitations demeurées vides durant de longues périodes. Était-ce pour cette raison que tant de gens de la région s'étaient sentis fatigués et comme un peu grippés au réveil? Parce que l'énergie nécessaire au déclenchement de l'explosion avait été fournie par eux. S'il en était ainsi, le danger n'était pas aussi grand que nous l'avions redouté. Cela signifiait que les Loïgors n'avaient pas d'énergie qui leur fût propre. Ils devaient la puiser chez les hommes, probablement chez les personnes endormies. Leur pouvoir était donc limité. La même pensée nous traversa l'esprit au même moment, si ce n'est que, bien entendu, le monde est plein de gens. Néanmoins, nous nous sentîmes soudain plus sereins. C'est dans cette nouvelle disposition d'esprit que nous abordâmes ce qui allait devenir notre tâche fondamentale, avertir la race humaine de l'existence des Loïgors. Ils n'étaient pas indestructibles, sinon ils ne se seraient pas souciés de détruire Chikno parce qu'il avait parlé d'eux. Il serait peut-être même possible de les détruire en déclenchant une explosion nucléaire souterraine. Le fait qu'ils soient demeurés en repos pendant tant de siècles indiquait bien que leur résistance était réduite. Si nous étions à même de produire une preuve catégorique de leur existence, les chances de donner un coup d'arrêt à la menace qu'ils représentaient seraient grandes. Le point de départ manifeste qui s'offrait à nous était bien l'explosion de Liandalfan. Il fallait faire prendre conscience au public qu'elle impliquait sans contexte la réalité de l'existence de ces forces cachées. D'une certaine manière, la mort de Chikno était la meilleure chose qui pouvait se produire. Ils avaient montré leur jeu. Nous décidâmes de retourner explorer le lieu de l'explosion le lendemain matin, puis d'établir un dossier sur ce sujet. Nous interrogerions les habitants de Liandalfan et chercherions si l'un d'eux avait réellement senti l'odeur de l'anhydride sulfureux au cours de la fameuse nuit. Puis, s'il persistait à raconter cette histoire quand nous leur aurions fait remarquer que le vent alors avait soufflé dans la direction opposée. Urquhart connaissait quelques journalistes de Fleet Street qui avaient témoigné d'un peu d'intérêt pour l'occulte et le surnaturel. Il les contacterait et insinuerait qu'il tenait une nouvelle sensationnelle. Quand je regagnai mon hôtel tard ce soir-là, je me sentis plus heureux que je ne l'avais été depuis bien des jours, et je dormis profondément d'un sommeil lourd. Je m'éveillai alors que l'heure du petit déjeuner était depuis longtemps passée et je me sentis épuisé. J'attribuais cela à mon sommeil prolongé jusqu'au moment où j'entrepris de me rendre dans la salle de bain et où je découvris que j'avais une migraine lancinante, comme si j'avais attrapé le virus de la grippe. Je pris deux aspirines, me rasai, puis descendis. À mon grand soulagement, personne ne semblait présenter les symptômes d'un épuisement comparable. Du café et des toasts beurrés pris dans le salon me rétablirent un peu. J'estimais que je souffrais simplement d'un peu de surmenage. Ensuite, j'appelai Urquhart. Ce fut Madame Dolgelly qui me répondit. Urquhart n'était pas encore levé, prétextant qu'il ne se sentait pas très bien ce matin. Madame Dolgelly avança le fait que le colonel avait l'air très fatigué la veille au soir. J'appelai la réception et demandai un taxi. J'étais trop las pour marcher. 20 minutes plus tard, j'étais au chevet d'Urquhart. Il avait l'air d'être dans un état plus triste encore que le mien, et telle était aussi son impression. Il me déplaît beaucoup d'avoir à vous suggérer ceci, étant donné la manière dont nous nous sentons tous les deux, mais je crois que nous ferions mieux de partir aussi vite que possible. Ne pourrions-nous pas attendre demain? Ce sera pire demain. Ils nous épuiseront jusqu'à ce que nous succombions à la première maladie bénigne que nous attraperons. Vous avez sans doute raison. Bien que cela me parût plus pénible que je ne saurais le dire, je réussis à retourner à l'hôtel, à faire mes valises et à demander un taxi de nous conduire à la gare de Cardiff, où nous pourrions prendre le train de Londres qui en partait à 3 heures. Urquhart éprouva encore plus de difficultés que moi. Madame Dolgelly fit preuve d'une force de caractère inattendue et refusa de lui préparer une valise. Il m'appela et je me traînai à nouveau chez lui, alors que je désirais plus que tout au monde pouvoir me remettre dans un lit. L'effort pourtant me fit du bien. Avant midi, mon mal de tête avait disparu et je me sentais encore moins épuisé, encore que j'avais la tête curieusement vide. Madame Dolgelly crut à l'explication que je lui donnais de l'arrivée d'un télégramme urgent qui faisait pour nous de ce voyage une question de vie ou de mort, encore qu'elle était persuadée qu'Urquhart s'effondrerait avant d'arriver à Londres. Cette nuit-là, nous dormîmes au Regent Palace Hotel. Au matin, en nous éveillant, nous nous sentîmes dans un état parfaitement normal. Ce fut Urquhart qui déclara, alors que nous attendions nos œufs et notre bacon du petit déjeuner, « Je crois que nous sommes en train de gagner, mon vieux. » Pourtant, ni l'un ni l'autre ne nous croyons réellement. À partir de ce point, mon récit perd toute continuité et n'est plus qu'une suite de notes, le compte-rendu de nos frustrations.
Nous passâmes des semaines au British Museum à chercher des indices, puis plus tard nous fîmes de même à la Bibliothèque Nationale. Des ouvrages traitant de cultes pratiqués dans les mers du Sud révélaient que de nombreuses traditions héritées des Loïgors y avaient survécu, et qu'il était clair là-bas que ces derniers reviendraient un jour et reprendraient possession du monde qui avait été le leur. Un texte cité par le duc et Poitiers précisait qu'ils allaient provoquer une épidémie de folie déchiquetante parmi ceux qui souhaitaient détruire, et une note précisait que déchiquetante dans ce contexte signifiait bien déchirer avec les dents, comme un homme qui s'attaque à une cuisse de poulet. Von Storch mentionnait une tribu haïtienne dans laquelle les hommes étaient parfois possédés par un démon qui amenait un grand nombre d'entre eux à tuer leurs femmes et leurs enfants en les déchirant à la gorge avec les dents. Lovecraft nous fournissait lui aussi une suggestion importante. Dans l'appel de Cthulhu, il mentionne l'existence d'une collection de coupures de presse. Toutes révèlent que les grands anciens ensevelis sont en train de devenir plus actifs dans ce monde. Un peu plus tard, le même jour, je rencontrai par hasard une jeune fille employée dans une agence de coupure de journaux qui m'expliqua que son travail consistait simplement à lire entièrement des dizaines de journaux tous les jours afin d'y rechercher les citations du nom des clients de sa maison. Je lui demandai si elle pouvait relever des faits divers d'un intérêt inhabituel, tout ce qui touchait au mystère et au surnaturel, et elle me répondit qu'elle ne voyait pas ce qui pourrait l'en empêcher. Je lui donnai alors un exemplaire du « Lot » de Charles Fort pour qu'elle ait une idée du genre de faits divers que je souhaitais consulter. 15 jours plus tard, je voyais arriver une mince enveloppe jaune qui contenait une douzaine de coupures de presse. La plupart étaient sans intérêt, des bébés nés avec deux têtes et autres curiosités médicales, un homme tué en Écosse par un énorme grêlon, un abominable homme des neiges qui aurait été vu sur les pentes de l'Everest. Mais deux ou trois avaient un rapport plus direct avec ce que nous cherchions. Nous contactâmes aussitôt plusieurs agences de coupure de journaux en Angleterre, en Amérique et en Australie. Leurs travaux nous fournirent une quantité prodigieuse d'informations qui remplirent à la fin deux énormes volumes. Nous les regroupâmes en divers chapitres, explosions, meurtres, sorcellerie et le surnaturel en général, folie, observations scientifiques et divers. Les détails de l'explosion qui s'était produite près d'Al-Qizimiya, en Irak, étaient si semblables à ceux du désastre de Llandalfen jusqu'à l'épuisement dont avaient souffert les habitants d'Al-Qizimiya, que je ne doutais pas que cette région ait été elle aussi l'un des lieux tenus par les Loïgors. L'explosion qui avait dévié le cours de la Tolagol près d'Oulan-Bator, en Mongolie, avait amené les Chinois à accuser les Russes d'y avoir laissé tomber une bombe atomique. La curieuse démence qui avait causé la mort de 90% de la population de l'île méridionale de Zafora, dans la mer de Crète, était encore un mystère à propos duquel le gouvernement militaire de la Grèce se refusait à faire le moindre commentaire. Le massacre de Panagiouritchte, en Bulgarie, accompagné dans la nuit du 29 mars 1968, était dû, selon les rapports officiels, à un culte de vampires qui considéraient la nébuleuse d'Andromède comme leur véritable patrie. Voilà donc quels étaient certains des événements marquants qui nous convainquirent que les Loïgors se préparaient à lancer une attaque de grande envergure contre les habitants de la Terre. Mais il y avait littéralement des douzaines, peut-être même des centaines de faits moins importants qui allaient dans le même sens. La créature marine qui avait entraîné un pêcheur de truites au fond du Loch Eilt avait amené divers quotidiens à consacrer des articles aux survivances de la préhistoire. Mais l'édition de Glasgow du Daily Express donnait comme version une histoire de culte de sorcières et de l'adoration que ces dernières auraient portée à un monstre marin dont l'odeur de décomposition suffocante faisait songer à l'Innsmouth de Lovecraft. Un fait divers consacré à l'étrangleur de Melcham me poussa à aller passer plusieurs jours dans cette ville, et j'y recueillis une déclaration signée du brigadier Bradley. Il reconnaissait que le tueur avait répétitivement employé avant de mourir les mots Gatanotoa, Noug et Rantegoz. Robbins, l'étrangleur, prétendait avoir été possédé par un pouvoir venu de sous la terre quand il avait tué les trois femmes qu'il avait amputées des pieds. Il n'y aurait aucun sens à allonger encore cette liste. Nous espérons voir paraître un nombre choisi de ces faits divers, quelques 500 en tout, en un volume, dont un exemplaire sera adressé à chaque membre du Congrès et à chaque élu de la Chambre des communes. Quelques-uns des faits divers que nous avons relevés ne trouveront pas place dans cet ouvrage, mais ce sont peut-être les plus troublants. À 7h45, le 7 décembre 1967, un petit avion privé piloté par Hardy Jones de Kingston à la Jamaïque avait quitté Fort Lauderdale en Floride pour regagner Kingston. Il y avait 3 passagers à bord. Ce voyage de 500 km environ aurait dû prendre 2 heures. À 10h du matin, la femme de Jones, qui l'attendait à l'aéroport, s'était inquiétée et avait suggéré que l'on entreprenne des recherches.
Toutes les tentatives effectuées pour établir une liaison radio avaient échoué. Les recherches avaient commencé dans la matinée. À 1h15, Jones avait demandé par radio à l'aéroport la permission d'atterrir sans se douter, semblait-il, de l'angoisse qu'il avait fait naître. Quand on lui avait demandé ce qu'il avait fait, il avait eu l'air surpris et avait répondu « voler, bien sûr ». Quand on lui avait annoncé l'heure qu'il était, il en était demeuré stupéfait. Sa propre montre indiquait 10h15. Il avait expliqué qu'il avait volé presque constamment avec un plafond très bas, mais qu'il n'avait pas eu de raison de s'inquiéter. Les bulletins météorologiques indiquaient qu'il faisait un temps exceptionnellement clair ce jour-là, pour le mois de décembre, et que ce pilote n'aurait pas dû rencontrer de nuages. Les quatre autres cas sur lesquels nous possédons des détails sont très semblables au premier, excepté l'un d'eux, celui de la Jenny, car il concerne un navire garde-côte qui se trouvait au large de la côte occidentale de l'Écosse et non un avion. Là, les trois hommes qui étaient à bord avaient rencontré un brouillard épais et s'étaient aperçus que leur radio ne marchait pas et que, pour une raison indéterminée, leur montre s'était arrêtée. Ils avaient cru avoir affaire à quelques curieuses perturbations magnétiques. Les autres instruments du bord fonctionnaient assez bien pourtant et le bateau avait fini par atteindre Stornoway dans l'île Lewis, après qu'on soit resté sans nouvelles de lui pendant 22 heures au lieu de 3 ou 4, comme l'avait supposé l'équipage. Un avion école appartenant à l'aéronaval, le Blackjack, parti de la péninsule de Para en Basse-Californie, détenait cependant le record. On était resté sans nouvelles de lui pendant 3 jours et 5 heures. L'équipage croyait avoir passé quelques 7 heures loin de sa base. Nous n'avons pu découvrir quelle explication la marine américaine avait fournie pour ce curieux épisode, pas plus que celle qu'avait donnée le service des gardes-côtes de Grande-Bretagne au sujet de l'intermède de Jenny. On avait probablement supposé que l'équipage avait trop bu et qu'il s'était endormi. Il y avait une chose cependant dont nous apprîmes très vite à ne pas douter, c'est que les êtres humains préfèrent ne rien savoir des choses qui menacent leur sentiment de sécurité et de normalité. C'est là une découverte qu'avait également fait Charles Fort, aujourd'hui disparu. Il avait voué toute sa vie à son analyse. Je suppose d'ailleurs que les ouvrages de Fort offrent des exemples classiques de ce que William James appelait un certain aveuglement chez les êtres humains. Il renvoie invariablement en effet ses lecteurs à la presse pour tout ce qui concerne les événements incroyables auxquels il fait allusion. Pourquoi personne ne s'est-il jamais donné la peine d'aller vérifier ses références, ne serait-ce que quelques-unes d'entre elles, avant de reconnaître par écrit la sincérité de ses dires ou l'accuser d'avoir tout falsifié? Monsieur Tiffany Taylor m'a dit un jour que les lecteurs qui le critiquaient estimaient qu'il avait toujours quelques circonstances spéciales dans les cas cités par Fort qui les invalidaient. Un témoin peu sûr ici, un journaliste trop imaginatif là, etc. Ce qui n'a jamais frappé personne cependant, c'est qu'user d'une telle explication pour analyser 1000 pages, de faits soigneusement rassemblés, n'équivalait qu'au désir de s'abuser soi-même. Comme la plupart des gens, j'ai toujours présumé que les êtres humains qui m'entouraient étaient relativement honnêtes, avaient l'esprit relativement ouvert, étaient relativement curieux. S'il était besoin de me confirmer l'existence d'une curiosité au sujet de ce qui est en apparence inexplicable, il me suffirait d'aller jeter un coup d'œil sur l'étalage de n'importe quelle librairie d'aéroport, avec sa douzaine de livres de poche, dus à quelques Frank Edwards portant tous les titres du genre « Le monde de l'extraordinaire »,« Sans réalité qui dépasse la fiction », etc. On est déconcerté lorsqu'on s'aperçoit que tout ceci n'est pas la marque d'une véritable ouverture d'esprit à l'égard du surnaturel, mais simplement le souhait d'être titillé et choqué. Ces ouvrages constituent une sorte de pornographie de l'occulte, l'un des éléments d'un jeu qu'on pourrait s'intituler « Faisons comme si le monde était moins ennuyeux qu'il ne l'est ». Le 19 août 1968, Urquhart et moi invitâmes 12 amis à venir nous retrouver dans l'appartement que nous avions loué au numéro 83 dans Gower Street, maison dans laquelle Darwin avait vécu aussitôt après son mariage. Nous pensions approprier cette association avec Darwin car nous ne doutions pas que l'assemblée serait mémorable pour quiconque y assisterait. Sans entrer dans les détails, je dirais qu'il y avait là 4 professeurs, 3 de Londres, 1 de Cambridge, 2 journalistes appartenant l'un à l'autre de rédaction de Bon Quotidien et divers représentants des professions libérales, dont un médecin. Urquhart me présenta et je lus une communication que j'avais préparée à l'avance en étant plus explicite quand je l'estimais nécessaire. Au bout de 10 minutes, le professeur de Cambridge s'éclaircit la gorge, dit « excusez-moi », et sorti en toute hâte. Je devais découvrir plus tard qu'il croyait avoir été victime d'une mystification. Les autres m'écoutèrent jusqu'au bout, mais je me rendis bien compte, la plupart du temps, qu'ils se demandaient s'il ne s'agissait pas là d'une plaisanterie. Quand ils se rendirent compte que cela n'en était pas une, ils devinrent résolument hostiles.
L'un des journalistes, un jeune homme frais et moulu de l'université, m'interrompait sans cesse avec des « devons-nous comprendre que ». Une dame se leva et partit. On m'assura qu'elle ne l'avait pas fait par incrédulité, mais parce qu'elle s'était aperçue qu'il y avait désormais 13 personnes dans la pièce et qu'elle estimait que cela portait malheur. Le jeune journaliste avait apporté deux des livres d'Urquhart sur Mu, et il en citait des passages pour en tirer des effets accablants. Urquhart n'est certes pas un maître de la langue anglaise, et il a eu un temps où je n'aurais sans doute trouvé dans ses ouvrages que prétexte à raillerie. Mais ce qui me surprenait le plus personnellement, c'était qu'aucune des personnes présentes ne paraissait considérer notre communication comme un avertissement. Ils en discutaient comme ils l'auraient fait d'une théorie intéressante ou même d'un conte sortant de l'ordinaire. Au bout d'une heure de chicanerie au sujet de diverses coupures de presse, un avocat se leva et fit un petit discours qui traduisait sans conteste le sentiment général et qui débutait ainsi. « Je crois que M. Howe, le journaliste, a bien exprimé les doutes que nous entretenions tous. Son argument principal, il ne cessait de le répéter, était qu'il n'y avait pas de preuves formelles. L'explosion de Llandalfen aurait pu avoir été provoquée par de la nitroglycérine, le lieu où elle s'était produite avoir été le point d'impact d'une pluie de météorites. Les ouvrages du pauvre Urquhart furent exécutés d'une manière qui n'aurait hérissé même autant de mon scepticisme le plus absolu. » Il est inutile de poursuivre. Nous avions enregistré au magnétophone tout ce qui s'était dit au cours de la réunion. Nous le fîmes taper et tirer en plusieurs exemplaires dans l'espoir que cela serait tenu un jour pour un exemple presque inimaginable de la stupidité et de l'aveuglement humain. Il n'y eut pas d'autre suite. Les deux quotidiens décidèrent de ne rien imprimer sur ce sujet et de ne pas même inclure un compte-rendu critique des arguments que nous avions avancés. Un certain nombre de personnes eurent vent de la rencontre et vinrent nous trouver. Des dames à la poitrine opulente portant des ouijas, un homme mince persuadé que le monstre du Loch Ness était un sous-marin russe et un certain nombre de farfelus du même genre. Nous décidâmes alors de déménager et de nous rendre en Amérique. Nous entretenions encore l'absurde espoir que les Américains se révéleraient plus ouverts d'esprit que les Anglais. Il ne fallut guère de temps pour que nous perdions nos illusions. Il est vrai aussi que nous rencontrâmes une ou deux personnes qui voulaient bien suspendre pour un temps au moins tout jugement sur la santé de notre esprit. En général, pourtant, les résultats furent négatifs. Nous passâmes une journée intéressante dans le village de pêcheurs de Cohasset, presque mort aujourd'hui, l'Innsmouth de Lovecraft. Ce fut assez pour découvrir qu'il y avait là un centre d'activité des Loigor presque aussi important que celui de Llandalfen, sinon plus important encore. Qu'il s'y était presque aussi efficient et que nous courions un danger extrême en y demeurant. Nous parvînmes pourtant à rencontrer Joseph Cullen Marsh, le petit-fils du capitaine Marsh de Lovecraft, qui vivait à présent à Popasquash. Il nous raconta que son grand-père avait perdu la raison avant de mourir. Il pensait que ce dernier avait bien eu en sa possession divers livres et manuscrits occultes, et que ceux-ci avaient été détruits par sa veuve. Il est donc possible que ce soit chez lui que Lovecraft ait vu le Necronomicon. Il nous dit encore que le capitaine Marsh, lorsqu'il se référait aux grands anciens, les appelait les maîtres du temps. Une expression intéressante si l'on songe au cas de la Janie, du Black Jack et des autres. Urquhart se dit convaincu que les manuscrits n'avaient pas été détruits, sous le curieux prétexte que des ouvrages anciens de ce type acquièrent un caractère qui leur est propre et qu'ils tendent à échapper à la destruction. Il s'est lancé dans une énorme correspondance avec les héritiers du capitaine Marsh et les avoués de sa famille, dans l'espoir de retrouver la trace du Necronomicon. En l'état actuel des choses. Note. Les mots qui précèdent ont été écrits par mon oncle quelques minutes avant qu'il ne reçoive un télégramme du sénateur James R. Pinckney de Virginie, un vieil ami d'enfance et sans doute l'un de ceux dont mon oncle disait qu'il voulait suspendre tout jugement sur la santé de son esprit. Le télégramme était ainsi rédigé. « Viens à Washington dès que possible, apporte coupure, contacte-moi à la maison, Pinckney. » Le sénateur Pinckney m'a dit depuis que le secrétaire à la Défense avait accepté de consacrer un peu de temps à mon oncle et que s'il avait été favorablement impressionné, il était concevable qu'il ait pu lui ménager une entrevue avec le président lui-même. Mon oncle et colonel Urquhart ne purent trouver de place à bord du vol de 3h15 qui relie Charlottesville à Washington. Ils se rendirent tout de même à l'aéroport en attente dans l'espoir qu'ils pourraient bénéficier d'annulation de vol. Il n'y en avait qu'une. Après une courte discussion, le colonel Urquhart se rangea à l'avis de mon oncle et estima lui aussi préférable pour eux de ne pas se séparer et de ne pas arriver à Washington par des voies différentes. C'est alors que le capitaine Harvey Nichols accepta de les piloter jusqu'à Washington dans un Cessna 311
dont il était le propriétaire pour un quart. L'avion décolla d'une piste secondaire à 3h43 le 19 février 1969. Le ciel était parfaitement clair et les prévisions météorologiques excellentes. 10 minutes plus tard, le pilote signalait à l'aéroport, ce qui était mystérieux, qu'il entrait dans une zone à plafond bas. À ce moment, il aurait dû se trouver quelque part dans la région de Gordonsville, et le ciel dans cette zone était exceptionnellement clair. Toutes les tentatives ultérieures pour entrer en liaison avec l'avion devaient échouer. À 5h, on m'informa que le contact radio était perdu. Dans les heures qui suivirent, cependant, nous reprîmes espoir, car bien que les recherches aient été organisées sur une grande échelle, nul n'avait signalé qu'un avion se soit écrasé. À minuit, nous supposâmes tous que la découverte de la carcasse n'était plus qu'une question de temps, et que la nouvelle allait nous en parvenir. Elle ne nous est jamais parvenue, au cours des 2 premiers mois qui se sont écoulés, depuis. Nous n'avons rien de plus au sujet de mon oncle ou de l'avion. Selon moi, et de nombreuses personnes qui possèdent une expérience profonde en matière d'aviation partagent cette opinion, l'avion a eu une panne d'instrument. Il est sorti d'une manière ou d'une autre au-dessus de l'Atlantique, et il s'y est perdu. Mon oncle avait déjà contacté la maison d'édition Black Cockerel Press de Charlottesville au sujet du livre de sélection qu'il avait prévu de faire à partir de ses albums de coupure de presse. Il m'a semblé approprié d'utiliser ses notes pour en former l'introduction. Dans les articles qui ont été consacrés à mon oncle dans la presse des 2 derniers mois, on a souvent affecté de croire qu'il était fou, ou tout du moins qu'il était sujet à des hallucinations. Tel n'est pas mon avis. J'ai eu souvent l'occasion de rencontrer le colonel Urquhart. C'était à mon avis un homme tout à fait indigne de confiance. Ma mère l'a défini devant moi comme un individu extrêmement sournois. Le portrait que mon oncle faisait de lui au moment de leur première rencontre le confirme d'ailleurs. Il serait charitable de se persuader qu'Urquhart croyait tout ce qu'il avait mis dans ses livres, mais j'ai du mal à l'accepter. Ses ouvrages sont médiocres, les effets en sont grossiers, et il n'est pas douteux qu'ils révèlent, pour une part, de l'invention pure. Il ne mentionne jamais, par exemple, le nom du monastère hindou, ni même le lieu où il se dresse, où il aurait pu faire ses surprenantes découvertes au sujet de Mu. Il n'indique pas non plus le nom du prêtre qui lui aurait appris à lire le langage des inscriptions. Mon oncle était un homme simple, de caractère aimable, l'image du professeur distrait poussé presque jusqu'à la caricature. C'est bien ce que révèle la naïveté avec laquelle il rend compte de la réunion organisée au 83 Gower Street et des réactions de son public. Il n'avait aucune notion des possibilités de la duplicité humaine que l'on aperçoit, à mon sens, dans les écrits du colonel Urquhart. Aussi, et ses caractéristiques, mon oncle ne mentionne-t-il pas qu'il avait invité le colonel en Amérique et loué l'appartement du 83 Gower Street. Les revenus du colonel étaient extrêmement modestes, tandis que mon oncle, je pense, jouissait en comparaison d'une assez belle aisance. Et pourtant, il reste, je crois, une autre explication qu'il faut prendre en considération et qui a été suggérée par l'ami de mon oncle, Foster Damon. Mon oncle était très aimé de ses étudiants et de ses collègues pour le mordant de son esprit, et il avait bien des fois comparé à Mark Twain. Or, la ressemblance entre les deux hommes ne s'arrêtait pas là. Mon oncle partageait aussi le profond pessimisme de Mark Twain à l'égard de la race humaine. J'ai bien connu mon oncle dans les dernières années de sa vie. Je l'ai beaucoup vu, même dans les derniers mois. Il savait que je ne croyais pas à ces histoires de Loïgor et que je tenais Urquhart pour un charlatan. Un fanatique aurait tenté de me convaincre et ne m'aurait peut-être plus adressé la parole après un refus de ma part de me laisser persuader. Mon oncle, lui, avait continué à me traiter avec la même gentillesse. Ma mère et moi avions même remarqué que son regard pétillait souvent lorsqu'il m'apercevait. Se félicitait-il d'avoir un neveu trop pragmatique pour accepter une mystification qui l'avait poussé très loin ? J'aime à le croire. C'était en effet un homme bon et sincère, et il est regretté par d'innombrables amis. Julien F. Lang, 1969.